User entered your channel. Hey, wake up. Voilà. T'es là, Polar? Polar? Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce live. C'est Francimu pour ce Pi's Day. Alors je sais pas si on m'entend, je sais pas si on me voit, mais bienvenue à tout le monde. J'attends que Polar soit là. Insufficient permissions. Polar. You were moved. User joined your channel. Polar. Ouais, je suis là. Salut. Je suis désolé. Rendez-vous qui a traîné. Ça aurait dû me prendre à 8h15. J'aurais dû être parti à 8h30. Ils m'ont pris il y a une demi-heure. Par contre, je suis inquiet. Je sais pas si on voit le stream là. Pas sur ta chaîne ni sur celle de la compagnie des geeks. Celle de la compagnie des geeks, je peux corriger, mais toi, tu n'aimais pas. Parce que moi, ça me dit que j'aimais bien, alors je comprends pas, c'est Bio qui a fait les réglages. Attends, je vais retourner voir ton. Je vais retourner voir sur ta Parce que chaîne. moi, il me dit bien diffusion en direct LCDG live. Ouais, non, mais ça, il faut que ça. Non, ça, c'est normal. Alors, attends. Je vais tester. Est-ce que je vais aller sur le Parce que j'ai créateur? pas l'impression qu'on nous voit en Ouais, fait. c'est normal parce que je suis en train de.
Par contre, 11h30, ouais, à 13h, faut que moi je parte. Ouais, pas de soucis. De toute façon, il y a un deuxième live de prévu cet après-midi. Exactement. Donc t'inquiète pas, je serai ce coup-là, je serai là, je vous bouge pas de chez moi. Ok. Bon, là, de toute façon, c'est un petit vol d'initiation. On va voler en diamant Ouais. DA-42. Et puis, bah après, tu commandes, tu vas m'indiquer un petit peu les commandes, etc. Ce que je dois faire. Ok, ça marche. Hein? On va Pas faire de un vol. De problème. toute façon, c'est des vols hamburgers, c'est pas des vols. Je vais pas faire des vols complets de trop long, exprès. C'est aussi pour que tu puisses voir, toi, un petit peu à quoi ressemble Fly School. Ok, ça marche. Bah, c'est en sachant que j'ai quand même préparé un petit peu aujourd'hui, c'est que j'ai regardé la vidéo que tu avais faite démo dessus. Ah Ok, ouais. donc c'est bon, je reçois ton flux. Alors, à partir de maintenant, J'ai qu'est-ce que tu. Aéro qui dit qu'il n'a rien sur YouTube. Et c'est vrai Ouais, que ça diffuse pas sur YouTube, c'est c'est bizarre. normal, D'accord. ça va être le cas dans 10 secondes. Attention, à partir de maintenant. Attends, est-ce que moi je vais. Parce que j'aimerais bien avoir un retour, ne serait-ce que sur YouTube, de ce qu'on voit. Attends, je vais te le dire tout de suite. Laisse-moi 10 secondes. Parce que c'est toi qui active le live, en fait, c'est Ah ça? ouais, c'est pour ça que je Ah, suis vieux donc. d'être en retard. Je suis en train d'attendre. Ça va bientôt être le cas. C'est bon. Alors attends, moi je vais aller sur YouTube. Allez, ça va partir. Ça y était en live. C'est bon. Voilà. Bon, on va commencer directement. Hop. C'est bon pour toi, Polar? Ouais, c'est bon, ça tourne. Alors, comme je disais, bonjour à tous et bienvenue pour ce live sur le Pice Day France Simu. On va faire un petit Fly School de 11h30 à 13h. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue aussi à ceux qui verront la rediffusion de ce live. Alors, je suis en compagnie de Polar aujourd'hui. Voilà, France Simu et Polar. Polar, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors, on va faire en fait. Alors, on est sur Fly School. On n'est pas du tout sur FSX ou n'importe quel jeu d'avion. Fly School, c'est le jeu en fait qui permet. Aux gens qui ne connaissent pas le monde aéronautique, de découvrir le monde aéronautique d'une manière simple et intuitive. Donc ça n'a rien à voir avec les jeux comme FSX, où là ça s'adresse quand même à des joueurs et des pilotes virtuels qui ont quand même une connaissance bien particulière des vols sur avion à réaction. Là, Fly School, il propose pas énormément d'avions, il propose que deux trois appareils, et ce sont des appareils en fait d'initiation à l'entraînement pour apprendre à voler. Donc on va faire ce qu'on appelle du vol libre. Donc comme je le disais, Polar va pouvoir m'aider. J'ai branché mon trackeer. Ça va me faciliter la tâche, le trackeer. Bah, effectivement, en fait, le trackeer, ça, ce que là, bon, je me permets juste d'expliquer. Donc, avec ce Vas-y. type d'appareil, donc en fait, Flight School a l'avantage d'être beau déjà. Ça, c'est, faut dire ce qui est. Il n'y a pas besoin de trop le trafiquer pour que ça ressemble à quelque chose. Salut Dark. Donc là, avec le trackeer, l'avantage que tu as, c'est que pour faire du vol VFR, donc le vol VFR, c'est ce qu'on appelle les visual flight rules ou les règles du vol à vue, c'est que tu dois prendre des repères au sol. Et ben, ça t'as juste à pencher la tête à côté de l'avion pour voir où t'es. Donc c'est vrai que le trackeer c'est un peu plus immersif. Voilà. Donc on va alors attends, on va essayer de faire quelque chose quand même d'assez sympa.
Alors, je sais pas si on voit la carte pour l'instant. Tu vois directement, Polar, ce que je fais ou faut que tu Oui, bah, viennes. en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Twitch, c'est plus rapide. J'ai un temps de réponse plus court. Sinon, ce que tu peux faire, tu peux te connecter sur Steam et voir demander ma diffusion, tu la vois en direct. Ouais, mais ça risque de te prendre de la bande passante. Tu crois? Parce Ah que. oui, ça Steam, t'inquiète pas, il est brutal. Non, non, D'accord. bon, t'inquiète pas, on le fait comme Salut, ça. Monsieur Rolex Gaming, bienvenue. Alors, on va partir. Pas mal d'aéroports en France, ok. Bah, en fait, c'est pas qu'en France. Je Bah vais ouais, non, non, je comprends. dézoomer, mais c'est sur la carte du monde, en fait. Ouais, non, c'est. C'est l'avantage, en fait, de Fly School, c'est que tu peux voler vraiment sur le monde entier. Donc, tu peux aller Ouais, où t'as même. vous. Je vois même que t'as mon aéroport préféré, t'as même Clermont. C'est beau, ça. Il y a Clermont. Oui. Tu peux pas les rechercher par type de code OACI? Si, normalement, il est. Si tu me donnes le code, vas-y. Lima Foxtrot, Lima Charlie ou LFLC pour les non-initiés. Alors, L, LFLC. L, F, S, Alors déjà un petit repère. L, non ça c'est Lyon. Un petit repère. Tout ce qui commence par LF, c'est en France. Tout du moins en France métropolitaine. Bon, Clermont-Ferrand, LFFC. Ouais, Lima Foxtrot, Lima Charlie. Alors, par contre, après, tu as t'as Déol qui est pas loin, Ça, c'est t'as. Châteauroux. Ouais. Châteauroux, Val-de-Loire, on va partir de Gueva. Clermont. Enfin, après, tu pars d'où tu veux. C'est juste que je constatais qu'il était loin. Oh, puisque t'es là, on va partir de Clermont, allez, on va te faire plaisir. Alors par contre, c'est sûr que Fly School, c'est pas comme sur FSX où tu es en stationnement et t'as tout à préparer et après tu te fais pousser. Ben. Pour aller sur la piste. Là, t'es directement sur la piste. Ça fait rappeler, tu sais, les premiers FSX Tout à fait, ouais. où t'étais complètement au départ sur la piste. Donc. Ben, c'est-à-dire que même FSX ou Prépare 3D, par défaut, ils te mettent sur la piste en service. C'est nous qui choisissons d'aller sur le parking. Bon, Voilà, ça va être long, c'est. ça. Si je fais ça, ça va être long. Ouais, LFOT, ouais. Ce que tu peux faire, t'as un vol très joli à faire, qui est sympa comme tout. Il y en a. Bah, quoi, il doit y avoir une petite quarantaine de minutes de vol, ça peut être fun. C'est Clermont-Lyon. Alors attends, Lyon, Lyon, Lyon. Tout à droite. À droite, c'est l'aéroport qui est juste à droite de Clermont. Bah à droite là, j'ai Saint-Exupéry. Bah c'est Lyon. Lyon-Saint-Ex. Alors, hop. 41 minutes de vol. Voilà, tu vois, je t'ai dit 40 minutes. À 1 heure, le temps de monter, ce qui dit 40 minutes, je sais pas trop comment il estime, mais Il y a Monsieur Relès qui me dit fait Clermont-Toulon. Voilà. Si on a le temps, on fera de toute façon, on fera. J'espère pouvoir faire deux vols, mais ça m'étonnerait, on verra bien. Mais pourquoi pas, ouais, faire deux trois vols, si on peut. Alors, on va voler en Diamond, on a dit. Demander à 42, ça va, ça vole bien ce petit machin. Alors, figure-toi que moi, le problème, c'est que, et c'est ce que je t'expliquais la dernière fois en privé, c'est que sur cet avion-là, je sais pas pourquoi j'ai pas accès à toutes les fonctions. Donc tu vas voir ce que je veux dire. C'est des TG en même temps. N'oublie Bah c'est pas. ça, c'est du pouce-manette. C'est du pouce. T'as bien aimé, hein Ah, j'adore cette expression. Le jour où je suis sorti. Le jour où je t'ai sorti ça, t'as bien aimé le pouce-manette, mais c'est un peu ça. Non, c'est Mais ça, oui, bah le c'est. problème, si tu veux, c'est que je suis allé voir des vidéos sur YouTube pour voir ce qu'avaient les mêmes joueurs au niveau de Flight School. Et il y a un mec, il a toutes les fonctions que moi je n'ai pas et je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Alors sur cet avion, je sais qu'il y a le pilotage automatique. Ça, ça Oui. m'intéresse. Et Oui. le problème, c'est que pour configurer mon pilotage automatique, je vais avoir besoin de toi. Ouais. Parce que, à mon avis, je le programme mal, ce qui fait que quand je décolle et que quelques secondes après l'avoir mis, le pilotage automatique, l'avion, si tu veux, il est. Attends, hop, Il a voilà. tendance à monter et à descendre.
Bah, en fait, au lieu de faire ce qu'on appelle du vol en palier, il a tendance à monter vers le haut, mais pas de se stabiliser, si tu veux. Donc ça, c'est chiant. D'accord. C'est parce que, grosso modo, d'accord, c'est un glass cockpit, ok. Non, grosso modo, c'est parce que quelquefois des avions comme ça, c'est le cas par exemple, tu vois, il y a un avion que j'utilise, le DC-6. Ouais. C'est un avion assez old school qui date, on va dire, allez, fin des années 40, années 40, années 50. C'était vraiment un vieil engin. Et pour régler le pilotage automatique, il faut régler là ce qu'on appelle le pitch. Le pitch, c'est l'angle d'inclinaison de l'appareil. C'est ce qui permet d'éviter, si un avion mécaniquement, d'y avoir un réflexe et de monter ou de descendre. C'est comme ça. C'est mécanique. Et en fait, avec un réglage de la pitch, on va régler une espèce de volets qui vont le stabiliser et qui vont lui faire tenir son inclinaison. Il y a peut-être ça à régler là-dessus. Bon, enfin, on va regarder ça On en va gros, regarder quelque ça part. ensemble. Alors, pour répondre aux questions, pourquoi je n'ai pas mis la caméra? La caméra, je vais pouvoir la mettre si vous voulez, mais le problème, c'est que vous n'allez pas me voir parce que je suis en rez-de-chaussée à la maison et que de toute manière, même si j'active ma caméra, vous me verrez quasiment pas parce que avec le temps qu'il fait à l'extérieur, il fait pas un super méga soleil, j'ai pas beaucoup de lumière dans ma pièce. Donc, ce qui fait que ça sert à rien du tout que je mette la caméra. Étant donné que vous ne me verrez pas plus que ça. Est-ce qu'il y a des gros avions comme Polar et Pilote? Monsieur Rolex, je crois que tu n'as pas écouté mon introduction. J'étais en train de dire que Fly School n'est pas doté de gros avions. Tu as que des petits avions de vol d'initiation à l'entraînement. Voilà, excuse-moi Polar, je répondais en même temps. Ah bah, il n'y a pas de souci, hein, après tout. Donc je vais mettre en route le... Voilà. Attends, il faut Par que je contre, je vais mette. baisser un tout petit peu le son. Moi, je l'entends parce que je l'ai coupé, sinon je t'entends en double et c'est pas agréable. C'est vrai que bon, par contre, j'avoue, quand je vois les graphismes, même ceux de l'avion, ça reste du DTG, mais c'est bon. Ça, faut dire ce qui est, c'est joli. Ah non, mais c'est par contre, c'est vrai, c'est assez joli. Donc, comme je te disais, tu vois, on est directement sur la piste de décollage. Ah, Donc, là, t'es sur la piste 08, ok. Bon, alors, en fait, si tu veux, par contre, j'ai pas retenu. Si tu veux, le alors, attends, je vais faire un truc parce que c'est le cap 90. Parce que si tu veux, sur Fly School, tu voles pas du tout comme sur tes vols à toi. Ouais, mais grosso modo, les repères sont les mêmes. Tu vois, par exemple, petite chose, tu vois ta piste, elle est en 0,8. Ouais. Alors 0,8, ça veut dire que ta piste, elle est orientée, tu vois, bon, cap 90. Ça, c'est le cap pour aller à Lyon. Mais Bah. en fait, là, ta piste, elle est orientée entre 0,80 degrés et 0,90 degrés. Et normalement, la piste de Clermont est Mais orientée ça veut dire que 0,8. ma piste d'arrivée est à 90 degrés. Non, c'est-à-dire que ton aéroport Il est au est à cap 80, 90. il est au cap 90. Mais si jamais tu voles au cap 90, ça se trouve tu vas, et je peux te le garantir, si tu vas au cap 90 à Lyon par rapport à Clermont, tu vas arriver perpendiculaire aux pistes. Ah bah Parce ça que c'est sûr. Mais les après, c'est pistes. à moi de me Après, remettre voilà. dans l'axe de la piste. Soit avec les cartes, soit au jugé en voie une boucle. Mais ça, après, bon. Ah bah, pff, je vole au jugé pour l'instant. Voilà, c'est ça. Bah, après, je t'expliquerai comment on s'intègre sur un circuit. Ça, Alors, c'est pas très compliqué. les moteurs sont déjà en fonction. Ouais. Donc, je pense que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, tout à fait. Donc on Alors, règle déjà, le ce que je vais faire, cockpit. c'est que je vais régler ma navigation. Alors, la navigation, par contre, il va falloir que j'ouvre. Ouais, mais il va falloir que j'ouvre le truc de radiocommunication. Je vais l'ouvrir après. Donc, le maintien de cap 90, on va mettre. Maintien de cap 90, oui. Après, tu prendras l'appareil en manuel éventuellement pour faire un circuit d'approche De toute façon, pour le de circuit d'approche, je compétition. reprends manuel, hein. Voilà, mais de toute façon, en fait, on va partir du principe que tu es en VFR, tu comptes pas faire d'ILS. Ah bah non, pour l'instant c'est pas de l'ILS, c'est du VFR. Le pilotage automatique, je le mets quand je suis en vol parce que ça m'arrange bien. Oui, bah, de toute Mais façon. après, je reprends les commandes pour faire l'atterrissage. Et ça, bah, t'as bien raison, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en gros. En gros, si tu veux, le truc, c'est que pour faire du VFR, donc soit tu fais du direct, soit tu utilises ce qu'on appelle des points de report que tu trouves sur les cartes, Charlie Delta, Echo Bravo, enfin ça a des noms sur les cartes et tu passes au-dessus. Bon, ça c'est quand tu voles en réseau. Bon là, t'es tout seul. Je pense que, à mon avis, on va pas croiser beaucoup d'avions. Non, Donc voilà, ça va être. t'auras Là, ce que tu vas personne faire, là. Hein. ce que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle un direct. Tu prends un point A, un point B, tu traverses.
Ouais, non, ça marche pas trop comme ça, mais c'est pas très grave. Après, si tu veux, c'est quand tu arrives au-dessus du terrain, c'est que tu as tout un circuit, ce qu'on appelle le circuit de piste qui est prévu pour s'intégrer. Ça va être, on va faire vertical, tu vois, on va passer au-dessus de l'aéroport de Lyon, virer à droite, et ensuite de ça, venir se poser sur la 36 droite, qui est la plus courte. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, tu vas me guider. Tout à fait. Donc là, j'ai déjà mis mon, j'ai réglé mon cap de navigation. Ensuite, si tu veux, c'est ici. Voilà. Là, c'est la programmation de l'autopilote. Ouais, c'est un autopilote par GPS. Alors, si tu veux, normalement, je peux programmer l'altitude. Parce que là, j'ai réglé le cap. Donc, normalement, d'après ce que j'ai compris, quand je vais appuyer sur autopilote et que je vais appuyer sur HDG, HDG va faire en sorte que l'avion va prendre la direction au cap. Après, ta navigation, ça doit être la navigation. Altitude, ça doit être l'altitude pour qu'il garde l'altitude en vol. Voilà. Et le problème, l'activer. Alors, justement, le problème, si tu veux, c'est que là, pour la programmation de mon altitude, normalement, je peux le programmer avec le bouton qui se trouve ici à gauche. Le problème, c'est que quand j'appuie, il se passe rien. Tu vois ? D'accord. Ok, bon, si. Ouais, ok. Bon. Alors, par contre, ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre le panneau. Donc, c'est ce que j'avais trouvé la dernière fois. Et par contre, je vais réduire la fenêtre. Parce que l'autopilote, ouais, ça, celui-là, c'est vraiment le pilotage automatique qui est en bas, c'est le standard, c'est le truc tout simple. Quelquefois. Ouais, donc ça, c'est ton GPS. En même temps, je pense qu'ils se sont pas pris la tête à faire quelque chose d'avancer, étant donné que c'est quand même un truc d'initiation, donc. Oui, ça, c'est sûr. Alors, par contre, si j'appuie normalement sur. Tu vois, j'ai le petit plus sur la main qui s'affiche. Et là, ça fonctionne, tu vois. On voit d'ailleurs sur l'écran du GPS que j'augmente l'altitude. D'accord, ouais, ok, je vois. Tu vois ? Pour toi, là, ce que je fais, la programmation, elle est bonne. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais admettons, tu veux que je vole à combien ? À 5000 pieds ? 6000 ? 7000 ? Non, tu vas voler. Piquer du bois, 5000 pieds, ça sera largement. Il n'y a pas besoin de faire pas du. Pas besoin de plus. Alors je vais faire du 5000 pieds, d'accord ? Ouais. Donc là, pour moi, si tu veux, normalement, quand je vais appuyer sur autopilote, il est censé monter et s'arrêter à 5000 pieds. Voilà, le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Donc okay. Normalement, il va falloir que je clique sur altitude. Voilà, je viens de mettre altitude par exemple. Et le on qui est ici, je vois pas à quoi il sert. C'est ça le truc. C'est pour armer le pilotage automatique. Tu vois, regarde, quand tu regardes ton bloc de pilotage automatique, tu as AP. Et tu vois, regarde, les 5000, ils ont disparu, il est passé à 1600. Normal, c'est normal, parce que il faut toujours le régler quand il est allumé. Donc là, en fait, pour le programmer, il faudrait que je fasse on. Voilà. Non, c'est pas on, c'est down. Up ou down, ça c'est pour monter ou descendre ton variomètre, ta vitesse. Tu peux demander au pilotage automatique de gérer une montée, d'accord, de gérer une descente. Là par défaut, il s'est mis à 1600 pieds. Pourquoi ? C'est parce que Clermont-Ferrand se situe à 1100 pieds d'altitude et le pilote automatique, il est censé piloter, donc il va par défaut, il est réglé sur 1500, sur 500 pieds de plus que l'altitude où il se trouve. Donc pour programmer mon altitude, faut que j'appuie sur AP. AP, et après tu. Donc on a dit qu'on allait voler à une altitude de 5000. Voilà. Et après, je recoupe le pilotage automatique pour le décollage. Alors en fait, ce que tu fais, voilà, c'est que le pilotage automatique, tu le règles une fois que tu as décollé. Tout simplement. D'accord. Ton HDG, il va le prendre direct, parce que ça, il va le garder. Mais c'est pour régler ton altitude de pilotage automatique. Moi, ce que je fais, c'est que je décolle. Hop, après, je prends mon pilotage automatique, je règle l'altitude, mon cap, et hop, vas-y, mon ami. Moi, toi, t'es comme les filles, tu sais faire deux choses à la fois. Je vais te dire, beaucoup de choses où je suis pas capable de faire deux choses en même temps, mais dans un avion, tu vas apprendre déjà à loucher. Bah c'est clair. Tu vas avoir un œil au-dessus, un œil en bas. Ensuite de ça, tu vas apprendre à faire trois choses parce que tu vas regarder ce qui se passe dehors de l'avion. Raphaël nous conseille de voler à 6000 pieds au minimum car il y a des montagnes. Ouais, non, mais est-ce qu'après, bon,
c'est du DTG, donc je suis pas sûr, tu vois, je vois des... Ah, il y a des montagnes, hein, je t'assure. Hein. Ouais, mais je vois même pas le puits de dos. Donc voilà, mais 6000 pieds, ouais, tu peux prendre 5600, 5500, 6000 pieds. Mais allez. Après, ouais, 5000 pieds, ouais, ça passe. Ça serait passé, mais tu vois, je me mets à 5008, allez. À 5008. Ah ben non, le puits de dos est dans ton dos. Normal qu'on le voit pas. Alors, régler le sol. Touk. Parce que je suis quand même équipé d'une radio navigation. Ça change de d'Ivao, hein, c'est sûr. Salut Wolfo sur YouTube et merci Raphaël sur. Salut Wolfo, comment tu vas? L'indication en ce qui concerne le DC6 qui est sorti en 1947, donc quand j'ai dit fin des années 50. Demander une option, sol, machin, ça on s'en fout. En ce qui concerne qui vient d'atterrir. Bon, je reviens, moi je vais me faire mon café parce que j'ai toujours pas. Vas-y, je t'attends pour décoller, je baisse mes volets de toute façon. Ouais, 10 degrés, ça devrait suffire. Pas trop. Bah, de toute façon, j'ai pas 36 000 degrés de volet, donc je te rassure. Normal. Ah ouais? T'as combien de crans dessus? Deux crans. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, un cran. Ça va, Wolfo? Je suis content de revenir un petit peu streamer sur la LCDG. Alors, comme je vous l'ai dit, Fly School, ça s'adresse pas aux gens qui sont déjà initiés, ça s'adresse aux gens qui débutent dans le pilotage. Je vais couper ça. J'ai allumé mes feux, hein, tant qu'à faire. Ouais, alors là, comme t'es au décollage, t'allumes tout. Ouais, est-ce que je dois allumer d'ailleurs interrupteur de phare de roulage au sol? Parce que moi, je suis bête et discipliné, sachant que je fais pas de roulage, je décolle direct, pour moi, je les allume pas, t'allumes mais bon. Tout. Moi, sinon, ce que je fais, j'allume tout. Pour le décollage, j'allume Par tout. Contre, en vol, tu laisses simplement les feux de navigation, c'est ça? Tu laisses les feux de navigation, les strobes si tu en as, et tu éteins. Et Je crois que j'ai pas les strobes. Par contre, je vais peut-être pas mettre leur truc de comment de radio communication parce que ça va pas me servir vu que c'est toi qui va m'aider. Normalement, je suis bon ouais. Pour le décollage. Ok, alors moi je cherche juste le panneau moteur parce que je vois pas où il est. Les tours minutes, tout ça, ils ont pas assez dans cet avion là, c'est un option. Attends, parce que je suis en train de vérifier en même temps le. Ouais, c'est bon. Ah si, d'accord, c'est sur le côté, d'accord, je ouais, vois, c'est sur c'est le ici. Côté du GPS. Ok, bon, on va y aller, hein. Ah bah c'est parti. Alors par contre. Donc là, on est sur un avion, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, comme ça se voit, bimoteur. Normalement, ce sont des hélices à pas variables. Alors, j'ai du mal à le... À le garder droit? Ah ouais, je galère. Faut juste que tu compenses un petit peu. C'est ce que je fais. Voilà, c'est de toute façon, c'est normal de le faire. Allez, tu regardes bien que tes moteurs sont bien synchro. Normalement, tu fais pas une poussée d'un seul coup. Tu pousses un peu les moteurs, tu regardes que la poussée est synchronique et après seulement, tu montes à plein gaz. Ça y est, j'ai décollé. Hein. Ah non, parce que bah, je suis sur Twitch, donc j'ai un léger retard. Tu me dis quand je rentre mes volets. Hein. Alors, bon, déjà, trois choses à faire. Dès que ton avion monte, tu rentres le train si tu peux. Ça y est, c'est fait. Ok, et tu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas. Enfin, tu peux interrompre légèrement ta montée, ralentir ta montée, parce que là, tu prends un vario. Je veux pas de variomètre, c'est assez. Malaise. Ok, tu vas. Voilà, j'ai une belle montée quand même, hein. Voilà, tu montes 1000 pieds minutes à peu près, c'est bien. Tu peux rentrer. Pour l'instant, tu gardes ton volet, parce que là, t'accélères. Tu vas quand même pas très vite.
T'es à 70 nœuds, c'est pas très très Non, rapide. c'est pas rapide. Et justement, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a tendance à... Alors par contre, je vais peut-être trimmer un petit peu l'avion. Qu'est-ce que t'en Voilà, penses? tu peux le trimer tout à fait. Donc déjà, ce que tu fais là, tu vas rentrer ton cran de volet, enclencher ton pilotage automatique. Alors par contre, tu vois, le problème pour moi, c'est que... Pied, c'est bien. Là, j'ai mis le pilotage automatique. On va remonter, on montera à 6000 pieds. Je mets le Donc HDG pour... voilà. voilà, tu mets le HDG. Donc là, j'ai mis le HDG, mais tu vois, regarde, là, l'avion, en fait, il a tendance... Bon, non, là, il est bien. Bon, il va monter tout seul. Est-ce qu'il faut que je prenne... Et rajoute 2000 pieds sur le pilotage automatique. Apparemment, oui, je dirais que j'ai complètement zappé les monts du Forez. Donc tu appuies sur Alt, sur le pilotage automatique, tu vas voir. Là il vire, parfait, il se tient bien, il Tu vois, il décroche était pas. réglé à... il était réglé à... Donc je suis à 7100 pieds en sur le pilotage automatique. 7100 pieds sur le pilotage automatique. Ok, normal. Donc là tu vas pouvoir En fait, gérer. j'ai mis 7000 pieds par rapport à ce qu'on avait programmé tout à l'heure. Voilà, bah écoute, c'est pas plus mal. Donc on va voir, normalement, il est censé, là maintenant qu'il est Ouais, normalement, j'ai là, pris il de est la censé les vitesse, tenir. c'est bien. Voilà, c'est bien. Mais de toute façon, là, il va. Tu vois, tu montes à 500 pieds minute, tu montes vraiment tranquillement, d'après ce que je vois sur le Vario. Ouais, bah tu vois, la dernière fois, c'est ça qui me manquait. Donc je vais peut-être pouvoir couper mes feux de... Là, tu peux les éteindre, ouais. Alors les feux de... Feu de roulage, Alors, feu de roulage. atterrissage, feu de roulage, feu de Et... navigation, je laisse. Ouais, tu Et laisses toujours ça. les interrupteurs des feux à éclat, c'est quoi les feux à éclat? Eh ben, ce sont les strobes. Donc Ça, je les tu les laisse. allumes. Là, tu les laisses. Ceux-là, à partir du moment où tu montes sur la piste, de là, ils flashent jusqu'à que tu quittes la piste. Donc tu vois, pour Ceux-là. l'instant, d'après ce que je vois, on est sur le bon cap. Pas de souci à ce On est, ouais, niveau-là. on est bien. Par contre, je suis toujours plein gaz. Je vais peut-être baisser un petit peu Voilà, mes gaz. tu baisses un peu les gaz, mais pas trop, parce que quand même, t'es limite. Hein. T'es très très limite. Mais parce que bon, tu montes, donc l'avion peut pas tout gérer. Voilà, tu réduis juste un peu la J'ai réduit poussée. un tout petit peu la poussée. Alors je vous fais une petite visite de l'appareil en même temps. C'est un tout petit appareil, hein, de toute façon. Mais j'aime bien cet appareil en fait. Ah bah il est simple, hein. Moi je suis. Bon, c'est vrai que le DA42, pas de bol, je le connais pas bien, mais Bah, ce qu'il y a, c'est que par rapport aux deux autres appareils qui sont disponibles dans Fly School, celui-ci c'est le plus avancé, c'est le mieux, parce que les deux autres en fait ont le VOR DME à bord, mais n'ont pas forcément le pilotage automatique. Donc tu dois piloter au cap, donc c'est-à-dire avec l'indicateur de cap. Ah Donc ouais, bah là, par c'est... contre, c'est plus dur, puisque j'ai Ah commencé ben... avec ces deux avions-là, puisque comment cet appareil-là, en fait, ils l'ont sorti que très tardivement après sur Fly School. Donc j'avais commencé vraiment mes vols sur les Le deux autres Beeper Cub appareils, quoi. ou... Ouais, mais je les aime pas. Ouais, non, bah, non, non, le Beeper Cub, celui-là, il est très drôle comme avion, c'est un avion qui est très très vieux, hein. C'est un avion de reconnaissance, un avion très ancien, mais c'est vrai que bon, bah, c'est vraiment équipé au minimum, hein. Là, effectivement, tu as un glass cockpit, tu as un GPS, donc C'est ça, c'est clair, c'est le genre mieux. de truc qui se met à jour. Bon, alors les données de nav à jour, mais bon, ça, c'est dans le cas où tu l'utiliserais sur P3D et ou FSX. Parce Alors, qu'il question de est Monsieur sûr. Rolex, tu joues avec quoi France Simu? Déjà, hey, je te charrie un petit peu, Monsieur Rolex, parce que je te connais, mais France avec un E, t'abuses. Ah oui, effectivement. C'est, oui, Non, quand même, hein, entre nous. Alors, avec quoi je joue? Je joue avec un Notax X. Donc, je suis équipé en fait d'un joystick et d'un comment et d'une manette de poussée de gaz avec toutes les Manette de options gaz. dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon joystick, j'ai le palonnier et puis de l'autre côté, j'ai les gaz, train d'atterrissage, enfin toutes les fonctions qui me permettent de pouvoir piloter l'avion en fait. D'accord. Tout Bon, simplement. c'est parfait. Je me suis équipé d'un Notax parce que je voulais avoir cette sensation de simulation. Tout de même si j'apprends à piloter, je voulais quand même avoir cette sensation de pilotage dans l'avion et pas de piloter au clavier. Un petit peu comme avec ETS et OMSI avec le volant, quoi. C'est ça. Voilà. Alors après, bon, tu vois, moi, c'est, j'ai pas mon joystick, c'est un Cytec X52. J'avais
mais j'ai plein de douches partout, ce qui fait que je me sers que de mon joystick pour piloter mon avion. Sauf pour sortir le train, tout ça, c'est le levier de vitesse du G27. Ça fait encore mieux. Ouais. Alors, pour répondre un petit peu à vos questions sur un global, plus tard, oui, avec Polar, ce qu'on compte faire, en tout cas pour les streams LCDG, je peux le dire, Polar, de toute façon, c'est pas un secret. Là, on commence sur des petits avions pour que Polar puisse m'apprendre ce que j'ai pas forcément eu le temps d'apprendre tout seul. Et par la suite, avec Polar, on a prévu de vous faire des lives LCDG, hein, en duo, c'est-à-dire que on va piloter un avion donc beaucoup plus gros. Ça sera des avions à réaction que Polar a l'habitude de piloter. Polar fera le commandant de bord et je serai sûrement son copilote. Et en fait, on veut tout simplement vous faire un vol, bon déjà beaucoup plus long, mais un vol à deux pour se plonger un peu plus dans l'immersion aéronautique en ayant un pilote et un copilote à bord. D'ailleurs, on recrute des hôtesses de l'air si ça vous intéresse. Ouais, voilà, après pour le copilotage, ça va demander du temps. Mais ça va demander du temps. C'est pour ça que je commence avec FlySchool. Pour partager les cockpits, parce que ça avant il y avait un machine, mais là ça marche plus. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est de la technique. Mais c'est aussi pour ça que moi j'ai commencé avec FlySchool, parce que si tu veux, là on part d'un petit avion pour après au fil de nos streams que tu m'amènes sur des plus gros avions au fur et à mesure en fait, tout simplement. Pas de soucis. Voilà, le but c'est ça. Salut à Wayne sur YouTube. Bienvenue. Il y a du monde à ce tour là, c'est bien. Bah oui, bah il est midi, hein. C'est la pause casse-croûte. Hein. C'est ça. Alors regarde ton altitude, on va voir si l'avion se stabilise. Alors mon altitude, bah écoute, je suis stabilisé. Apparemment, il est en train de monter quand même. Hein. Et je crois qu'il est à 6500 là. Il va arriver à 6500. Parfait. Donc tu vois, il va normalement il va se stabiliser à 7100. 7100 pieds. Ok. Donc là on est plutôt pas mal, le vol se passe bien. Niveau carburant est bien, niveau vitesse indiquée c'est pas mal, le badin se comporte bien. Alors pour l'instant j'appuie sur rien parce que j'ose pas, mais si tu veux là j'ai plein de boutons. Tant qu'on est en train de voler on va en profiter. Donc là si je comprends bien ce sont mes volets, hein, quand je les monte et quand je les baisse, de toute façon c'est marqué flaps. C'est ça. Après ici j'ai plein de petits boutons. Mm-hmm. Et la dernière fois j'ai trouvé quelque chose. Ah ouais, mais je peux peut-être pas le faire quand je suis en vol, je te montrerai. Non, je peux pas. En fait, ici, si tu veux, là, j'ai des fonctions. Et je pense que c'est pour programmer mon. Oui, c'est pour programmer une route. Voilà, et surtout programmer mon ILS d'arrivée. Oui, alors ça, je Et ça, on verra ensemble plus tard. Ouais, mais là, faut carrément que j'ai le mode d'emploi du. Le mode d'emploi de la bébête. Eh ben figure-toi que le mode d'emploi de la bébête n'est pas fourni avec le jeu. Hmm. Donc c'est galère parce non, que. Non mais ça t'inquiète pas, je le trouve. Ouais, parce que ça c'est la copie d'un GPS qui est très connu par les. En même temps, je sais que le Diamond il existe sur FSX parce que je l'ai voilà. vu. Voilà. Donc je sais que de toute façon tu peux trouver. Tu peux trouver comment le mode d'emploi par rapport à l'avion FSX. Alors maintenant, tu vas regarder avec les conseils de Topoto Polar et tu vas voir que ton avion est à 7100 pieds qui bouge plus. Voilà. Et ben moi, si tu veux. Alors le souci, c'était pas le comment. Le souci pour moi, c'était pas forcément en vol, c'était quand je déclenchais le pilotage automatique. Je vais peut-être baisser encore un peu mes gaz parce que là, je suis bien en vitesse là. Laisse-le pour l'instant, essaye de tenir, voilà, c'est parfait, essaye de rester autour de 130, voilà, de 120 à 130 nœuds, ça sera indiqué, ça sera, c'est le G1000, oui merci Raphaël. Donc t'inquiète pas, j'ai en plus de ça, je crois que j'ai toute une doc qui traîne dans ma bécane. Alors par contre, tu vois à gauche, là je viens de remettre les instructions par rapport à IVAO du jeu. Alors régler départ, c'est à mon avis l'aéroport sur lequel on est parti, je suppose. Exactement. Tu voilà. Règles des... Oui, en fait, si tu veux, tu peux tout à fait programmer une nav complète. Mais là, c'est ce que je fais d'habitude. Demande VFR contrôler, par exemple. Voilà, t'as le VFR contrôler, l'IFR contrôler. Bon, après, quand tu veux faire un atterrissage aux instruments avec le GPS, lui, il va te faire la trajectoire, mais il faut quand même te guider avec l'ILS, donc rentrer la fréquence, le cap de piste, tout ça. Ouais. On fera ça dans un autre. Oui, dans un autre épisode, de toute façon. Avec un système plus simple, parce que c'est vrai que faire ça au GPS, moi, déjà, je suis pas fan. Voilà.
C'est clair. Je m'en sers très très peu. J'avoue, là, c'est vrai que moi, tu me colles un FMC, je suis balèze, mais le GPS, bon, je me suis penché dessus dans certains de mes avions, mais voilà, pas plus que ça. Oh, il y a de la montagne qui arrive là-bas. Normal, oui, c'est les monts du Forez. De toute façon, on passe au-dessus d'un massif, après on va arriver derrière, tu vas passer, on devrait passer au-dessus de deux aéroports. Le premier c'est Lyon-Bron, et le deuxième Lyon-Saint-Ex. Aéroport assez gros, c'est un aéroport qui a un doublé de pistes. Orienté, c'est pas compliqué, nord-sud, hein, 36 gauche, 36 droite. Alors heureusement que t'as pas la météo réelle, parce que là je te garantis que ton avion il volerait sur le dos, tellement ça bastonne. Alors je peux choisir la météo que je veux, là j'ai mis une météo toute simple. Hein. Ouais, t'as raison, mais pas la météo réelle parce que non. Dégueulasse, le plafond il est super bas, on voit même pas le sommet du plateau. Ça veut dire que bon, je viens de confirmer le contact radar par contre. Alors bon, c'est vrai que moi tu vois, je suis en train de regarder par la fenêtre de l'avion, enfin ce que je peux voir, le décor est juste magnifique. Ok, d'accord, j'avoue. Là, DTG ils ont hyper bien taffé. C'est plutôt pas mal, c'est même très joli. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, le rendu est plutôt bon. Est d'accord. Plutôt, c'est très fluide, j'ai pas l'impression qu'il y ait une saccade. Donc franchement, là, je suis obligé de maquiner, ils ont fait du pur. Alors moi, personnellement, c'est vrai que Fly School... moi perso je trouve que c'est bien. Alors là on l'a pas vu, mais dans mes épisodes sur ma chaîne, en fait on voit que je fais quelques leçons d'apprentissage. Ils ont fait des approches. Attends, régler approche sur 119-500, je peux régler mon approche ou pas? Régler approche sur 119-500, c'est l'ATC, c'est le contrôleur. Ça, tu t'en... On s'en fout. 119-5, oui c'est la 119-5, oui, ils sont chiés sur la fréquence. Bref. En fait, si tu veux, Fly School, c'est bien parce que à la fois t'as un jeu pour apprendre, mais à la fois c'est vrai que les graphismes sont assez sympas. Mmh. En fait, c'est tout simple, mais c'est du FSX avec un graphisme amélioré. Hein. Il y a pas à dire. Hein. Voilà. Mais tu sais que DTG va sortir en fin d'année son simulateur de vol. Franchement, je vais être honnête avec toi, je flippe. Franchement, Tu sais, c'est un petit peu comme nous, on flippe pour TSW, hein, c'est le même principe. C'est ça. Moi, si tu veux, autant Train Simulator, je le connais un petit peu pour y jouer, version simple, j'y joue un petit peu. Train Simulator, tu flippes aussi. Moi, c'est vrai que je les attends au tournant parce qu'ils sont capables de nous sortir Train Simulator. Graphiquement, il est beau. DTG, c'est une chance sur deux. C'est-à-dire qu'ils peuvent te sortir quelque chose de très bien, comme ils peuvent te sortir quelque chose de très mauvais. Par exemple, tu vois, sur Train Simulator, on le verra cet après-midi, mais sur Train Simulator, ils nous ont sorti la S-Bahn avec la S1 de Hambourg, où ils ont agrandi la carte par rapport à la gare d'Hambourg, et on peut faire du S-Bahn. Et à côté de ça, c'est complètement loupé, mais à côté de ça, ils ont sorti la prolongation de la ligne entre Cardiff et Swansea, et là, c'est complètement réussi. C'est ça. Le problème, c'est ça chez DTG. Déjà, je peux t'apporter quelques petites précisions. Chez DTG, il faut savoir, tu vois, par exemple, que les lignes sont faites, pas forcément toutes chez DTG. Ce sont différents. Oui, il y a des sous-traitants. Il y a aussi des sous-traitants, il y a tout ça. Donc, forcément, DTG, eux, c'est eux qui éditent à chaque fois les DLC, mais c'est pas forcément ceux qui créent les DLC. Et voilà, et t'as des, tu vois par exemple, j'ai une maison qui connaît, j'ai eu grâce à lui sur Train Simulator 2012, tout le contenu autrichien et suisse. Parce qu'il connaissait l'un des développeurs du contenu autrichien et suisse du jeu. Moi, je vous fais une petite vue extérieure du Diamond. Donc après, moi, ce que j'attends, tu vois, tu vois, quand ceux qui sont sur la compagnie des geeks me connaissent et savent comment je fais de la simulation sur aviation. Moi, c'est vrai que j'utilise le réseau IBAO, j'utilise des gros porteurs. Moi, j'attends de pouvoir intégrer mes gros porteurs à DTG. Tu vois, le truc, c'est ça que je veux, c'est qu'on puisse mettre les add-ons de ceux qui savent faire les add-ons d'avion, parce que ça, ça manque pas. Je veux te dire, tu vois, PMDG, qui est un gros éditeur, puisque Boeing, c'est PMDG, le 747, là, ils vont ressortir une édition, et ce sera la deuxième. Donc, les mecs, ils le connaissent, l'avion. Ils connaissent le modèle de vol, ils connaissent... Je sais pas si tu vois le stream, mais j'ai fait une vue extérieure de l'appareil. C'est très, très, très joli. Non, là, c'est vrai que c'est kiffant. Moi, j'ai même pas ça, moi, sur P3D. C'est pour ça que je te dis que je tenais à faire du Fly School
sur les chaînes, nos chaînes respectives, LCDG et la mienne, parce que vraiment le jeu, enfin moi personnellement, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Graphiquement, ça envoie du steak. Et puis clair, pour apprendre, très franchement, ils ont quand même assuré, parce que les leçons sont très ludiques. La seule chose qui est un petit peu dommage, après on va pas se plaindre, ça aurait pu être que en anglais sans un sous-titrage français. La seule chose qui est dommage, c'est qu'en effet, quand tu fais une leçon, tu dois à la fois écouter l'instructeur qui te parle en anglais, mais regarder les sous-titres qui s'affichent sur ta fenêtre. Et par contre, c'est un peu dur parce que comme ils te donnent pas mal d'instructions, entre le moment où tu pilotes et le moment où tu regardes les instructions, t'as vite fait de faire une faute et ta leçon s'arrête. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le problème. Mais sinon, c'est vrai que c'était pas mal. Donc c'est pour ça que personnellement, bon après tu me connais aussi, je pense que Bio me connaît aussi, je pousse toujours un petit peu plus loin, c'est-à-dire je me suis pas contenté que de Fly School. Pour arriver à piloter un petit peu aujourd'hui, il a bien fallu que j'aille me documenter un petit peu partout. Ah bah ça de toute façon c'est... Et d'ailleurs ils le disent dans la notice de Fly School, ne pas se fier que à Fly School et d'aller aussi voir un petit peu, aller chercher les informations à l'extérieur pour pouvoir piloter en vol libre. Ah mais c'est ça, il faut aller chercher les cartes, tout ça. Hein, alors les cartes, je les ai trouvées, c'est ce que je t'avais dit. J'ai trouvé les cartes, j'ai un petit peu compris ce que c'était que se diriger par rapport au VOR. C'est-à-dire qu'on peut même voler de VOR en VOR, d'après ce que j'ai compris. Tu peux tout à fait faire, c'est même le c'est même le but quelque part. Voilà. Ah, c'est super pratique faire ce qu'on appelle du VOR à VOR, si tu prends un cap par rapport à un VOR et tu sais que après tu vas à peu près tomber l'autre, tu vas commencer à le capter et hop, ça va te corriger. Le VOR à VOR, c'est la base. Et puis on peut aussi, c'est-à-dire qu'en fait quand tu as ton VOR, il faut que tu chopes ta radiale avec ton cap, etc. En fait les radiales ce sont des routes aériennes qui sont non visibles finalement. Exactement. Et c'est par rapport à ces radiales que les avions peuvent se diriger dans les airs. C'est ça. Exactement, c'est ça, ils se dirigent, bon après, exactement. C'est à peu près le concept. Alors c'est grosso modo, hein, bien sûr, ce que j'explique c'est grosso modo. En même temps, j'espère qu'il y a des gens qui ne savent pas piloter qui verront cette émission. Et c'est aussi grosso modo pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Moi j'ai quand même bien galéré, je me suis bien pris la tête. J'ai vidé une boîte de Doliprane facile. On essaye. En fait, voilà, le but c'est d'essayer un petit peu d'aider ceux qui voudraient piloter pour un amusement ou même un peu plus sérieusement, mais de faire comprendre ce que c'est un petit peu le. Voilà, les techniques en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Hein? Là pour l'instant, on va dire qu'on fait un vol tranquille, histoire de vous expliquer ce qu'on veut faire. Parce que c'est vrai que là, on devrait commencer à se pencher comment on va faire. Est-ce que tu as une distance avant l'aéroport? Parce que là, bon, t'es quand même très haut, donc on va pouvoir faire le temps qu'il descende ton avion. Alors, je sais pas si j'ai une distance. Normalement, avec le GPS, tu devrais. Tu devrais te dire à peu près combien de nautiques tu es de l'aéroport. Parce que nous, on atterrit, on a dit à. Lyon Saint-Ex, Lima Foxtrot, Lima. D'accord. Donc pour toi, là, on va arriver. On devrait pas tarder. On devrait pas tarder. Donc, attends. Je voulais juste savoir si sur le GPS, on n'a pas une indication de distance. Distance. Je te mets l'écran. Ouais, ça serait cool. Distance to go, distance to... C'est bizarre, je ne comprends pas trop. En haut, peut-être, là, tout ce qui est marqué en violet, non? Même pas. Ouais, c'est là-dessus que je cherche. Mais alors, je vois pas très bien. Je t'avouerais que c'est un peu flou-flou sur... Je me suis avancé pour que tu puisses voir. Alors, ET, on y est dans 15 nautiques, ground speed 150 nœuds. TK, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais même pas. Ok, bon, et eh ben écoute, on ira au jugé, on fera peut-être une boucle. C'est pour ça que je te dis que moi, dès que je vois l'aéroport apparaître, je commence à descendre, tout simplement. Oui, et après, je fais une boucle, soit je fais un vent arrière, ou tu vois. Ouais, c'est ça, bah, t'as raison. Je fais un vent arrière, je négocie pour faire freiner l'avion, et puis voilà quoi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que là, par exemple, on va partir du principe que les vents sont calmes, on va se poser en piste 36 droite. Alors j'ai Raphaël qui dit 2500 pieds dans la vallée de la confluence Rhône. Saône-Rhône. Saône-Rhône. C'est-à-dire que c'est la distance, enfin tu. C'est là où tu devrais te trouver, c'est l'altitude minimum. D'accord. Bon, là, on va continuer à voler à cette altitude, on va descendre tranquille après. Et après, tu vas faire, donc tu vas passer au-dessus de l'aéroport, tu vas boucler. Donc, on va s'intégrer directement en vent arrière, main droite, piste 36. Main droite ? Main droite, ouais. D'accord.
C'est-à-dire main droite, en gros, pour te donner le repère, c'est par rapport à l'axe de piste, tu tournes toujours à droite autour de l'aéroport. D'accord, de toute façon, tu vas me guider parce que... Voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je vais t'apprendre à faire très rapidement, le tour de piste. Ouais. C'est la manœuvre de base. Tour de piste et touch and go. Et le tour de piste, les touch, les stop and go, enfin tout ce qui... Le tour de piste, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça sert, ça, bah, c'est juste l'exercice de maniabilité de base d'un avion. C'est-à-dire, ça vous entraîne à décoller, enfin à décoller, monter, faire des virages, vous stabiliser, vous tenir en palier, redescendre, poser l'avion et repartir. C'est ça. Ça, je vous l'avais montré sur un stream. J'avais même fait ça avec des gros, avec un gros porteur. On appelle ça du training ILS. Et en même temps, on fait des touches. Et ça vous permet voilà, de vous entraîner, de sentir votre avion. C'est pour ça que moi, quand j'ai un nouvel add-on, la première chose que je fais, c'est ce que j'ai fait avec le 777, je ne le connaissais pas. C'est Max qui m'a dit, viens, voilà, machin, bon avion. Je l'ai installé, le truc qui fonctionne, il est beau. Par contre, ça se pilote comment ce machin? Bon, ça se pilote comme un petit, sauf qu'il y a différences, les systèmes sont différents. Et pour m'entraîner à prendre l'avion en compte, qu'est-ce que j'ai fait? Un gros tour de piste avec. Bon, on ne fait pas de tour de piste avec un gros porteur. Je fais ce qu'on appelle du training ILS. Je décolle, je vais accrocher l'ILS, je descends, je fais toucher l'avion, je repars, je remets les gaz en quelque sorte. Et voilà, et je fais ça pendant... Allez, je fais 5-6 tours. Ça me permet de comprendre comment l'avion se comporte, de dire, ok, quand il vire, il faut lui donner du levier, il faut lui donner du manche, il faut lui donner de la pédale, faut... Voilà comment on agit, l'accélération, il part tout de suite, il est long à partir. Voilà, parce que ne serait-ce qu'entre un avion à turbopropulseur ou un avion comme on a là, c'est des moteurs radial à piston, le temps de réaction des moteurs est plus court. Par exemple, là, si France Simu met plein gaz, dans 10 secondes chrono, l'avion il va partir, tout de suite. Il va partir en vrille le truc. Par contre, vous avez un avion avec des turbopropulseurs, c'est-à-dire des hélices, mais une turbine qui fait tourner les hélices. Là, il y a un temps de réaction pour qu'elle monte. Il faut le temps, ça fait le bruit d'un turbo, c'est un sifflement, donc ça, ben, il faut le temps. Et alors, il y a un temps de réaction plus long, donc ça veut dire que quand vous allez vouloir accélérer ou ralentir, il va falloir attendre, donc anticiper. Ça, c'est le deuxième secret, c'est Max qui vient juste de me l'apprendre, anticiper. Voilà, donc dès qu'on voit... Salut Didbir, comment tu vas? Merci de ton message pour mon retour. Alors, je vais faire une petite parenthèse, Polar, c'est que tout le monde me dit « pour ton retour », mais je ne suis jamais parti. Je me suis absenté. Arrêtez. J'ai l'impression de revenir, tu sais, genre ressuscité. T'as manqué à tout le monde, ça devrait te faire peut-être. Mais bien sûr que ça me fait plaisir, mais tout ça pour vous dire que je ne suis jamais parti, je me suis absenté, voilà. Mais ça me fait plaisir, bien entendu que ça me fait plaisir de voir tout. Que pas grand monde m'a oublié, c'est oui, ça fait plaisir, oui, voilà. Mais merci à tous. Voilà. Donc ce que. Pas tarder à arriver parce qu'on voit les Alpes devant nous. Ouais. Ok. Alors j'avance un petit peu, tu vois, ma caméra, alors, pour qu'on puisse voir un peu l'horizon de. Il y a un truc à savoir. Salut Bio. Salut Bio. Ce que tu peux faire, c'est qu'avec le pilotage automatique, tu peux régler ton variomètre. Je m'explique, le variomètre, c'est la vitesse verticale de l'appareil. Ouais. En pied minute. Par exemple. Tu vois, tiens, reste tout près de ton... Tu vois ton écran, là, marron et bleu, là? Le marron et bleu. L'écran qui est devant toi, qui est devant le pilote. On appelle ça le pad. Le pad, ouais. Ouais, voilà, tu approches-t'en. Ça y est. Non, zoom dessus, pour que tout le monde puisse bien le voir. Non, ça, c'est le pilotage automatique, l'autre, là, celui où t'as le... celui où t'as, l'horizon artificiel. Eh ben, je suis devant. Non, là, pour moi, tu zoomes sur le PA. Ouais, mais là, en fait, c'est parce que t'as un temps de retard, mais je suis devant. Ah ok, parfait, autant pour moi. Donc remonte un peu, parfait, ne bouge plus, c'est parfait. Donc tu vois, tu as à gauche la vitesse, exprimée en nœud, c'est la vitesse indiquée, parce que tu as trois vitesses, hein. Tu as ground speed, tu as la vitesse indiquée, IAS, indicator speed, ground speed et true air speed, TAS. Alors ce que tu me dis en fait là, c'est l'indicateur de gauche par rapport à l'horizon artificielle. Voilà, là. C'est-à-dire quand tu regardes ton écran de droite à gauche, voilà, t'as un truc où il y a marqué 136, 137 et ça bouge. Voilà, ça c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse. À droite, après, c'est l'altitude. À droite, voilà, c'est ton altitude. Tu vois, là, il est stabilisé à 7000 pieds. Ouais. C'est bien. Et tu vois, à côté de cet indicateur d'altitude, tu as une échelle avec un 2, ouais. Une espèce de V, 1, 2. Ça, c'est ta vitesse verticale. C'est la vitesse en pieds minutes d'accord. De descente ou de montée de l'avion. Et il faut savoir qu'avec le PA, tu peux régler cette vitesse de descente ou de montée. Je d'accord. Veux descendre
par exemple à 500 pieds minute, à 1000 pieds minute. Et comment tu le règles en fait ça alors? Dans le PA, up, down. Alors, c'est regarde ici, le pilotage alors. Automatique. Regarde le pilotage automatique. Avant, tu vois un truc qui s'appelle VS dessus. Ouais. Ça doit être. Eh ben VS, c'est vertical speed. Et en fait, quand tu vas régler par exemple plus 100 pieds, ben il va monter 200 à 100 pieds minute. Donc là, si j'appuie sur VS et que je mets moins, admettons 1000 pieds, il va descendre 1000 pieds minute. Ouais. Tout à d'accord. Fait. Ça, ça te permet, si tu veux, quand tu alors tu fais un savant calcul. Par exemple, pour anticiper, par exemple, c'est hyper important si tu veux faire de l'ILS avec un adressage ou un instrument, il faut te trouver à la bonne altitude au bon endroit. Donc tu calcules la position de ton avion dans 3 minutes et tu te dis ok, donc il me reste 3000 pieds à perdre, tiens, dans 3 minutes, et donc je descends de 1000 pieds minutes. D'accord. Tout en essayant de conserver une certaine vitesse pour pas avoir d'avance. Tu vois, parce que le but c'est de là, on, je crois qu'on arrive à l'aéroport, hein. Je le vois sur le. Bon, alors tu vas commencer à descendre tranquillement, tu vas descendre, on va se dire 3000 pieds, on va le survoler à 3000, même tu vas descendre à 1000 pieds. Donc je mets mon VS en fait. Ouais, tu mets ton VS, là tu vas descendre. Alors déjà, avant de descendre, tu regardes ta vitesse. Tu vas vite. Tu vois. Donc, tu ouais, vas, ouais, ce que ouais, tu vas faire, tu vas décélérer ton avion. Je vais réduire un peu pour qu'il puisse. Voilà, essaye de le mettre sur 100, essaye de le mettre à 122, ça sera pas mal. Histoire de te garder une marche, parce que mécaniquement, quand tu descends, ton avion, lui, il accélère. C'est normal. Oui, c'est normal ça. Alors là, j'appuie sur VS et après, j'appuie sur quoi? Mon bouton d'altitude qui est sur ma gauche pour lui indiquer la descente. T'as appuyé sur VS, t'as réglé un nombre de pieds minutes? Non, là je suis à zéro. Ah non, il va toucher le sol. Parce que là, comme j'ai du retard sur Twitch, C'est pour ça que je t'avais dit de te mettre sur Steam pour voir en direct. Alors, je vais essayer. À mon avis, ça va te faire planter. Steam. Je vais le lancer. Tu demandes ma diffusion et normalement ça devrait aller. Après voilà, c'est subtil ce genre de petite machine. Ce que tu vas faire, tu vas régler déjà l'altitude cible. Donc l'altitude, up. L'altitude, tu mets 1000 par exemple, 1000 pieds d'altitude. Donc tu veux que je redescende de 7000 à 1000 pieds? C'est ça. Je serais pas un peu bas à 1000 pieds pour une approche? Ouais, 2500 max. Non, 1000 pieds, t'es en VFR, hein, donc tu peux voler très bas. Ouais, je sais. Ouais. Et là, si tu en es tout seul, donc on n'a pas les procédures à respecter. Tu veux pas, je me mette plutôt à 2500? Ouais, les 2500 pieds, ça sera pas mal. Voir la diffusion. Donc là, je me suis calé à 2500 pieds. Je suis en descente. Voilà, bon, et normalement. Attends, parce que j'essaie juste de voir la diffusion. Hop, de faire comme ça. En fait, mon aéroport là, il est sur ma droite. Hein, on est d'accord. Il va être légèrement sur ta droite. Je suis pas en train de descendre un petit peu trop tard en fait là. C'est pas grave. De toute façon, on a tout le temps. On va faire une belle boucle. C'est très bien parce que de toute façon, on va pas descendre, rester direct. On va passer à droite de l'aéroport parce que ça, en VFR, il faut le faire. Ça ouais. Permet de regarder ce qui se passe dessus. Oui, pour voir faire un petit tour au-dessus, pour voir un voilà, petit peu. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Ouais. Tu reconnais, tu regardes bien. Ok, c'est bien le bon aéroport. Les pistes, elles sont comme ça, d'accord. Il n'y a pas trop de trafic en bas. Ok, je peux y aller. Alors, attends. Et c'est là que tout le monde va rigoler pour l'atterrissage, les amis. Donc, non, si je rate mon atterrissage, on ne se moque pas, s'il vous plaît. Parce que je sais que encore, hein. Tout le monde attend le fail de France Simu. Non, ça va bien se passer. Le tout, là, c'est pour ça qu'on va prendre, tu vois, on va passer au-dessus de l'aéroport, mais faut pas se dire, oh tiens, je vois la piste, j'y vais. Non, non, prendre la place. Ah non, mais de toute façon, il va falloir, faire, oui, parce que là, finale. Là, ça serait du suicide, vu comment l'aéroport il est placé, et vu, moi je suis en train de descendre. Donc, vu comment mon aéroport est actuellement placé, là, il est clair que je peux pas faire une approche. Je suis mort là. Ouais, non, mais là, tu vois, là, on passe au-dessus de Lyon. De toute façon, mon aéroport, c'est... il doit être par. Il est là-bas, là. On le voit, hein, il est là. Hein. Il est là, l'aéroport. Donc, l'aéroport, on le voit, oui, c'est le truc en bleu. Celui que tu vois légèrement, celui que tu vois là en rond clair, c'est. Oui, c'est l'aéroport. C'est... Mais en fait tu vois pas encore, mais j'ai tout simplement levé ma tête et on voit en visu l'aéroport sur. On va descendre tranquillement, t'inquiète pas, parce que cette 1000 pieds, ça se perd vite. Par contre, je peux pas rejoindre ta partie sur. Ah bon? Steam. Ouais, je peux pas. Je n'ai pas osé voir la diffusion. Bon.
Je peux pas, bon c'est pas grave, on va les gérer comme ça. Ah, attends, attends. Bah, il est en train de descendre tranquillement. Je vais arriver à 5000 pieds. Tu descends à combien de pieds minute? T'es à 1000 pieds, tu peux pousser un peu la descente. Fais gaffe à ta vitesse. Ouais, tu descends à moins de 1000 pieds, t'es à 750 pieds minute. Tu peux pousser un peu la descente. Donc sur ton PA, tu vas vertical speed, VS. Donc je fais VS. VS. Et tu règles 1000 pieds minute déjà dans un premier temps, mais en faisant très attention à ta vitesse. C'est limite en survitesse là. Tu m'as dit combien en vertical speed? Là, je suis à moins 800. Bah, tu descends à moins 1500. Tu règles sur moins 1500. Par contre, il est... Non, attention, c'est... Toi, tu le règles avec les touches. Avec les touches up et down. Ah ouais, voilà. Bah, parce que ça. Là, tu règles l'altitude. User joined your channel. Ouais, mais non, tu vois, regarde, ça marche pas avec le up et down. Non, mais t'as essayé de donner la molette. Clique sur les boutons up et down. Non, mais même, regarde, up, c'est plus down, non? Il est où? C'est moins. J'ai beau appuyer dessus, ça fait rien en fait, si tu veux. Ok. Tu vois, c'est le gros problème en fait de. Ah, ça, c'est bon, ouais, c'est embêtant quoi. Par contre, ouais, gaz minimum là, parce que t'es en train d'accélérer. Ouais, j'ai réduit tes gaz. Et tu vas commencer à reprendre la navigation en manuel, donc on est à. 4400 pieds, c'est parfait, on est bien, tu vois, on est tranquille, on va avoir le temps, tu vois, de longer l'aéroport par la droite, on est tranquille. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre un cap, soit tu reprends l'appareil complètement manuel, soit tu vas faire un virage à droite et prendre un cap 180. Je vais reprendre l'appareil en manuel parce que le problème avec les caps, si tu veux, voir si je peux quand même mettre le cap. Polar, il va lui faire des tours de piste pour qu'il ait plus de gazole. Ça va, bio? Non, je vais le reprendre en manuel parce que sinon là on est en train de se barrer de l'autre côté. Et Polar, non, mais c'est le live il fonctionne sur Steam. Il a besoin de voir aussi. Donc tu veux que je parte sur la droite là? Ouais, tu pars à droite parce que là déjà c'est très loin de l'aéroport, c'est pas grave, ça nous fera un bon vent traversier, c'est pas grave. En fait, on va longer, ce qui est facile à savoir sur Lyon, c'est que les pistes elles sont sur les deux points cardinaux principaux, c'est-à-dire nord, sud, et là on va atterrir face au nord. Donc là, on va partir plein sud pour longer l'aéroport sur la droite, donc quand tu vas regarder à droite, tu verras l'aéroport. Voilà, bah, on va le mettre à notre gauche, c'est pas trop grave. Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est quoi ça? Ouais, c'est bien, il est. Et tu vois, tu as deux pistes, tu vois l'aéroport en visuel, tu as deux pistes. On va atterrir sur celle qui se trouve la plus loin de nous. C'est la 36 gauche, la 36 droite. C'est la plus courte. On atterrit sur la plus courte, on décolle sur la plus longue. On pourrait atterrir, vu qu'on est tout seul, pas contrôlé, qu'on est serein parce que c'est le désert, on pourrait atterrir sur la 36 droite. Donc, mais c'est bien LF. LFL. LFL, non, LFLC. LFLL, pardon. Ah, donc là, en fait, l'aéroport, il est là. Hein. Je suis parallèle à l'aéroport, là. Ouais, en fait, je l'ai pris, j'ai viré un peu tôt, c'est pas grave. Bah là, de toute façon, je peux déjà continuer un petit peu ma descente. Voilà, tu peux poursuivre ta descente. Et après, je baisserai peut-être un cran de volet pour réduire carrément la vitesse. Regarde ta vitesse. Voilà, tu vois, c'est quand tu as une zone blanche. Là, tu peux commencer à sortir tes volets. Tant que tu es dans cette zone verte, ta vitesse, tu ne sors pas tes volets, tu les casses. Tout simplement. Donc en fait sur la vitesse, là je suis en vert, faut que je passe en zone blanche pour sortir mon cran de volet. Voilà, mais pour l'instant, comme t'es pas, si tu veux en approche, pour l'instant t'es juste en train de descendre, donc pour l'instant tes volets tu t'en occupes pas. Par contre j'essaie de garder quand même mon aéroport en visu. C'est pas grave, maintenant si tu veux dans ta tête, c'est tu sais où il est. Ouais. Tu sais que maintenant il se trouve sur ta gauche derrière toi, tu l'as repéré. Donc là on est en vent arrière en quelque sorte, on est en vent arrière main gauche, piste 36 tout simplement. Alors je crois que j'avais lu que de toute façon il valait mieux en fait faire une approche aéroport en vent arrière dans tous les cas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah oui, en VFR vaut mieux.
comme je t'ai expliqué, ça te permet de prendre tes repères, ça te permet de, déjà de laisser, de, surtout de pariler, comme de pariler, d'interrompre l'approche d'un appareil qui serait lui en finale. Donc ça veut dire que ça te permet de passer derrière un éventuel autre appareil. Le contrôleur qui t'a pris en charge, de toute façon, il va te dire, s'il peut, il va te faire intégrer directement en finale, sinon il va te dire intégrer vent arrière main gauche ou droite, telle piste. Je baisse mes gaz parce que je suis carrément trop haut au niveau de la vitesse. Voilà, tu baisses tes gaz, mais surtout ne pique pas du nez parce que sinon tu vas accélérer. Et ouais, je sais. Ton avion. Je vais trimer un petit peu histoire de. Tu tires légèrement le manche pour ralentir la descente. Bah, tu peux te rejoindre sur Steam. Bah, c'est bon. Ok. Putain, je pars loin là. Hein. C'est pas grave. Allez, maintenant tu vas virer à gauche. Autant, faut que tu aies le temps pour atterrir. Ouais. Donc tu vires à gauche. Tu vas faire un demi-tour à gauche. Un demi-tour à gauche. Comme ça, ça va te laisser le temps de viser l'aéroport. Et tu vas te stabiliser. Essayer de garder entre 1500 et 2000 pieds. Là, on a un tout petit peu overshooté l'aéroport, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, je vais me remettre dans l'axe. Ouais, tu vas te remettre dans l'axe. Ça, c'est pas très grave. Ça se fait surtout que t'as un avion petit, donc assez maniable. Tu es vraiment dans du VFR, donc c'est des avions qui réagissent. Piste de droite ou piste de gauche, tu m'as dit? On va atterrir sur la 36 droite pour faire un petit peu réaliste. Je vais pouvoir baisser un cran de volet. Regarde bien ton indice de vitesse. Ça y est. Voilà, oui, effectivement. Tu sors un cran de volet, très bien. Tu vas allumer tes feux d'atterrissage. Je peux pas. Je peux pas parce qu'en fait ma souris elle est à gauche de mon manche, tu vois, c'est ça la galère. D'accord. Donc je peux pas. Bon, on va dire que je les allumais, d'accord. Là si je lâche le manche, si tu veux, je vais me planter. Donc. Ok. Et le deuxième cran de volet en finale, à quel moment pour toi? Ça dépend de la vitesse. Si t'en as besoin, tu le mets. Si t'en as pas besoin, tu le mets pas. Tiens, je vais peut-être pouvoir sortir mon train d'atterrissage aussi, ça pas serait bien. T'es trop loin, tu vas faire de la traînée. Attends. Tu crois? Ah ouais, attends. T'as le temps. Alors, ce que tu fais, tu vas légèrement te corriger à gauche. Ça y est. Parce que là, t'es légèrement des axes. C'est nickel. Bon, maintenant, tu baisses tes gaz, parce que tes moteurs, là, je les entends trop ronfler, là. Voilà. Donc, maintenant, tu sais que l'aéroport, la piste, elle est orientée. Bah là, 180, elle est. Parce qu'elle est. Elle est non, 36. Donc, tu dois voler plein nord. Elle est 3-6-2, je crois. Là, t'es nickel. Maintenant, tu poursuis ta descente. Là, tu vas au jugé tranquillement. Tu synchronises visuellement. Tu ne perds pas ta piste des yeux. Donc, tu as un œil sur ta piste, un œil sur ta vitesse, un œil sur ton cap. Donc là, tu as trois yeux maintenant. Et il louche dans tous les sens. Tu fais le caméléon. Et tu gardes ton axe de piste tranquillement. Tu sors ton train. Et le dernier volet, tu me dis à quel moment? Dernier volet, à mon avis, tu n'en auras pas besoin. Oh putain, l'arbre. Je suis trop bas, je suis beaucoup trop bas. Alors, tu redresses un tout petit peu en mettant un tout petit peu de gaz, tirant légèrement la manette, tu remets les gaz, tout petit peu. Effectivement, ouais, tu veux heurter le sol quand même. Bah oui, non mais j'aurais dû faire une approche beaucoup plus haute. Non mais c'est pas grave, parce qu'après les arbres comme ça en pied de piste, c'est bidon. Hein. Bah c'est oui. C'est complètement bidon. Bah, allez, légèrement à droite là, c'est un petit peu, t'es un petit peu à droite. Ouais, je suis pas bon là. Tu sais, ces petits avions se déportent facilement, donc c'est, t'inquiète pas, tu verras jamais un avion arriver. Tu sais, ils battent toujours un peu des ailes quand ils arrivent. Hein. C'est vrai que par contre, le taureau t'es bien placé, ça c'est pas mal. Oh la vache. Allez, maintiens l'altitude, tu maintiens là. Porte-bête en finale, en courte. Oh putain! Ouais, t'es là. Non, remets les gaz. Allez, hop, tu remets plein pot. Attends. Regarde. Ouais, pas mal vu. Alors maintenant, tu maintiens l'axe, le temps de réduire ton avion, tu là lèves le nez, je suis posé, en décélérant. Et voilà. Je suis posé. C'est pas mal. Ouais, c'est un beau kiss. Ouais, t'habites un kiss. C'est pas mal. Bon, alors, c'est... Bah, à mon avis, j'aurais dû faire une approche beaucoup plus... Un peu brutale.
Ouais, mais genre, habituellement, je prends une approche à plus haut, en fait. Ouh là là. J'ai du mal, tu vois, avec le palonnier, Ça, un c'est petit normal, dérapage. c'est mécanique, c'est ce qu'on appelle l'effet de couple. Ça, tu l'auras toujours sur tous les avions. Donc, si tu veux, d'habitude, je fais une approche, enfin, à l'entraînement, quand je me suis entraîné tout seul, en tout cas, je fais une approche beaucoup plus haute pour voir ma piste correctement. Ouais, mais après, si tu veux, t'es limité hein, dans les altitudes. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est vrai que tu peux prendre certaines aises parce qu'on est tout seul, mais tu peux pas arriver en te disant, tiens, ce coup-là, je l'ai fait à 3000. Les VFR, quelquefois, ils peuvent être plafonnés à certaines altitudes. Parce qu'il faut pas oublier que tu as d'autres appareils qui volent autour de toi. D'accord. Tu vois, par exemple, il y aurait eu un Airbus sur la piste de décollage, du terminé en attente en fin de vent arrière. Ouais, en c'est attendant clair. Que l'Airbus il soit barré. T'as un Airbus qui s'annonce à l'arrivée et toi après, tu passes derrière lui. Parce que en VFR, t'es non prioritaire par rapport aux IFR. Attends, j'ai du mal, tu vois, à le maintenir en palonnier. Ah, mais de toute façon, c'est normal. C'est, ouais. C'est l'effet gyroscopique du couple. C'est tout à fait normal. C'est les hélices qui font ça. Donc voilà pour ce premier vol, en tout cas. Bon, là, l'atterrissage, j'ai quand même géré parce que oui, je l'ai mais bien senti. Sinon, en effet, j'aurais pu remettre les gaz et refaire un tour de piste. Mais là, je l'ai comment? bien senti, donc j'ai repris le. Alors, il faut savoir que sur les cartes du SIA, du service d'information aéronautique, tu as l'altitude du tour de piste. D'accord. Voilà, ils te disent le tour de piste se fait à Ouais, telle altitude teuf, ouais. et dans tel sens. Alors tu as les deux, tu as la valeur pied par rapport au sol et pied dite au Et pied. d'ailleurs, il t'indique aussi les zones à ne pas traverser autour de l'aéroport pour atterrir. Donc tu as des zones Exactement. interdites et tu as des zones autorisées pour pouvoir prendre ton axe de piste. Exactement. Bah, il y a des zones, oui, que tu ne peux pas survoler à La Rochelle, par exemple. Oui, voilà. À La Rochelle, tu as une zone interdite de survol Bon, là, je vais à me Marseille. stationner et on va enclencher peut-être un autre vol d'une demi-heure, histoire Pas de souci. de Là, il est compléter. 12h37 pour info. Ouais, voilà. Donc, on risque de terminer peut-être avec 5-10 minutes de retard. Donc après, je te laisserai choisir le décollage et l'atterrissage. Bon là je fais style, je suis un gros avion, je vais aller me mettre là-bas. Ouais, tu vas carrément sur les parcs des médiums, toi. Ouais. Bien, allez à l'aise. Poussez-vous les gens, c'est moi que v'là. Voilà, poussez-vous les gens, c'est Francimu que v'là, que Bon. v'là. Alors là, tu vois, pour finir, il y a un truc que j'apprécie, c'est que l'aéroport, bon, c'est pas hyper détaillé, mais la scène d'aéroport est quand même plutôt pas mal pour un truc de base. Je t'avoue que sur FSX, on l'a même pas celle-là. C'est pas mal. Tu vois, il y a les portes d'embarquement, débarquement. C'est plutôt joli. Donc, ça peut promettre. Hein. Je pense que simulateur que va proposer TTG sera Moi, pas je te mal. dis, ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, si graphiquement c'est beau, mais que niveau sim c'est de la daube, je serais déçu. C'est vrai. Alors Voilà, attends, c'est à l'époque j'avais un frein. frein de parc. Ouais, mais attends, je suis en train de le chercher. Ça, c'est le fuel. Le v'là. Touc. J'avais rentré mes volets. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi ça? Tu rentres les volets, t'éteins tous tes feux, tu coupes tes batteries et coupes tes moteurs et tes batteries. Et ton carburant surtout. Voilà. Ah, le bruit d'arrêt moteur est plutôt bien fait. Je crois même que je peux te. Voilà, master switch off. Là voilà, t'es en Golden Dark, l'appareil est arrêté. Voilà, donc bon. Derrière, j'ai même ouvert La verrière. la verrière. Donc voilà pour ce premier vol. Rigole, Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a? Raphaël Rambeau sur YouTube, déjà pour info, il est assez calé en aéronautique dans la mesure où il travaille dans l'aéronautique. Il est dans un aéroport à Lyon, en Russie. Voilà. C'est pour ça qu'il a pu nous sortir les petites infos de nav. D'accord. Assez calé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il nous a carrément donné la date, hein, la date de sortie du premier DC6.
Alors, je vais changer de... Comment? Je vais pas changer d'appareil. Ah bah tiens, regarde, il me dit qu'on n'a pas atterri au bon endroit. Alors, selon lui, bien sûr, hein. Voilà, mais c'est lui parce qu'il s'attend à ce qu'on se pose un truc précis. Voilà, quoi, donc... mais en gros, pour le jeu, on a pas réussi notre mission, mais bon. Après, ça reste quand même du vol libre et tu fais un petit peu ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà, c'est l'avantage un petit peu de... Alors, il est là, Bio, ou pas? Ou il est parti? Non? Il est parti? On va voler un petit peu en Angleterre. Ouais, bien, bien, bonne idée. Là, ah ouais, parce que l'Angleterre, en fait, comme on a l'habitude de le voir, tu sais, sur traîne, ça m'amuse en fait de voler aussi au-dessus de l'Angleterre. Non, bah, tu sais que non, mais j'ai une pensée pour vous quand j'ai fait quand j'ai atterri à Gatwick. Ah ouais. Une Brighton Londres et j'avais même fait une dédicace dans le stream, je crois. J'étais passé au-dessus de Gatwick. Et, tiens, pour ceux qui voient pas train, si voilà. Exeter Play Plymouth. Combien de temps ça met? Oh, 16 minutes. Je peux même, tu vois, regarde, je sais pas si tu vois, mais je peux programmer, tu vois, je peux passer par exemple Exeter, Plymouth, et après ouais. Dévier sur Neckway. Mais je vais pas faire ça parce que on va faire un vol direct en fait. Là, j'ai un 32 minutes de vol. 32 minutes de vol, il est 41, après c'est toi qui gères ton temps. Bah 41, ça fait quoi? Ça fait 13h15 terminé ça. Ça fait 13h15 terminé. Bon bah voilà, bah on est parti, je ferai un petit peu de rab. C'est bah sachant qu'on est dans du pouce manette, donc de toute façon tu vas être piste d'atterrissage, plein gaz, allez roule ma poule. Ouais. Donc n'oublie pas, quand tu vas décoller... Donc on a dit un cap à 256, je garde toujours cette formule là. Ouais, bah là pour l'instant t'es en vol libre, donc là ouais. On va le faire comme ça. Après on essaiera de faire du vol VFR un peu plus réaliste. Oui, mais par donc contre là, il faudra qu'on s'entraîne en privé bien sûr. On s'entraînera en privé, donc là par contre on fera une session Steam. Ouais. Et step by step, je t'expliquerai comment faire, je te sortirai les cartes de nav et tout. Et puis voilà. Donc là n'oublie pas, quand tu décolles, faut pas mettre plein gaz direct. Ah. Merci Raphaël pour avoir indiqué joli atterrissage, c'est sympa. Oui, excuse-moi, je t'écoutais pas, Paula. Non, non, donc quand tu vas atterrir, enfin quand tu vas décoller, il faut pas mettre plein gaz direct. Non, il faut que je. Tu t'assures que ouais. Ton moteur il pousse pareil, parce que si jamais t'as un décalage dans ta poussée moteur, ton avion peut vite partir en torche. Donc tu mets à peu près 30% de la puissance, tu vois à peu près les indices de régime moteur monter, et une fois que tu vois que c'est bon, eh ben tu pousses à ce moment-là en poussée décollage. Mais tu sais que normalement on doit se mettre en attente de piste pour faire ces essais-là avec le oui. Frame park. Hein. Non non mais ça c'est les essais moteurs, c'est pour ouais. Le décollage. Pour le décollage tu t'assures seulement que tu pousses parce que quand tu regardes mes lives tu vois je suis avec mes gros porteurs. Ouais. Je mets 30% de la poussée, je dis bon poussée symétrique, toga et après je mets plein gaz. Tu t'assures même en phase de départ que tes avions sont, que tes moteurs poussent, même si tu as fait tes essais moteurs. Tes essais moteurs, c'est pour t'assurer qu'ils prennent du régime, que si jamais tu as un magnéto qui pète, il continue à tourner, que sans les pompes à carburant, ils tournent. C'est vraiment pour t'assurer de ça. Après, tu n'as pas la poussée, tu les pousses pas à fond quand tu es au point d'arrêt. Voilà, ça, par contre, tu vois, c'est chiant. Alors, tu vois, tiens, petite chose, quand tu regardes tes volets, zoom près de tes volets, tu vas voir, tu as les vitesses à partir desquelles tu peux les sortir. Attends, parce que le problème, tu vois, par contre, des TG, tu vois, au niveau interaction, c'est pas terrible. Ah bah ça, c'est des TG. Hein. Parce que c'est soit tu... Ouais, je mets un cap à 255, à 1 degré, oui, près. Voilà, un degré près. Ouais, donc tu me disais de zoomer sur... Après, tu vas regarder des lumières d'indicateur de volet. Tu vas bien les regarder, tu vas voir, t'as des vitesses indiquées. C'est les vitesses à partir desquelles tu peux sortir un cran de volet et deux crans de volet. Sur le volet directement? Non, non, c'est sur les lumières d'indication des volets. C'est à où? À l'intérieur de l'appareil. Bah, à côté de ta commande des volets. Ah, donc c'est là. 137 kias, c'est ça? Voilà, 137 nœuds en indicator speed, c'est-à-dire la vitesse à partir de laquelle tu peux sortir le premier cran, et l'autre 111 IAS, donc c'est 130 nœuds IAS.
D'accord. Donc 137 nœuds, tu peux sortir le premier cran. Et 111 nœuds, tu peux sortir tous les volets. Donc là, pour l'instant, au niveau du pilotage automatique, je lui indique rien. Là, au niveau du pilotage automatique, non, tu lui indiques rien. On fera... Si tu l'as rentré, c'est tu le décolles, tu vas le mettre en palier, puis après, toc, tu règles ton... Donc d'une main, tu tiens ton avion, de l'autre, tu règles ton pilotage automatique. Par contre, je vais essayer d'inverser, parce que ma souris, si tu veux... Hop, je vais essayer de faire comme ça, ça sera peut-être plus pratique Moi, si j'ai le même problème que toi, j'ai mon joystick. Ouais, j'ai mon joystick et j'ai ma souris sur la même main, donc si je lâche mon joystick, le problème c'est que je suis pas sûr de bien pouvoir stabiliser mon avion et je suis pas gaucher, donc c'est un peu embêtant. Que moi, j'ai appris à piloter de la main gauche, c'est-à-dire que ce qui fait que d'un seul coup, toc, je peux... Ah oui. Ah ben moi, je pilote des deux mains. Bon bah, même si je m'entraînerai... Même si ma manette de dégâts est à gauche... Bon, allez, on est parti parce que sinon on va jamais décoller. Allez, donc là tu mets... 30% à peu près de régie. Un peu plus même. Donc là tu constates que ça, que c'est bien symétrique. Ouais. Allez, plein gaz. Et après ce que tu fais, c'est au moment où tu décolles, tu regardes le vario. Et dès qu'il est positif, tu rentres le train. D'accord. Parce que quel intérêt de rentrer train très tôt, c'est que ton train sorti consomme du carburant. Il rentre, hop, ton aérodynamisme est déjà mieux, donc du coup, tu consommes moins. Allez, rotation, tu peux y aller. J'ai un vent de travers, là, violent. Allez, train rentré. Prends mon cap, hein, Polar. Vas-y, prends ton cap, tranquille. Non, c'est vrai que là, non, je suis obligé de m'incliner quand même. Le jeu, il est magnifique. C'est vrai que graphiquement, ça envoie du skate. Donc, j'ai bien fait d'insister pour le présenter, tu vois. Ah non, mais si tu veux, moi, quand j'ai regardé ta vidéo de présentation dessus sur ta chaîne... je te l'ai tout de suite dit, d'ailleurs on en avait très vite parlé après, je trouve que graphiquement il est chouette, super beau. Moi je m'incline, c'est vrai que graphiquement il est splendide. Moi franchement je kifferais avoir ça dans P3D. Ça j'adorerais. C'est pour ça que j'ai continué à m'accrocher sur Fly School, parce que si je me dis que si Fly School est quand même bien réussi graphiquement, pourquoi leur simulateur ne serait pas pareil, tu vois? C'est-à-dire, moi, ce que je crains pas, c'est pas tellement la réussite graphique, parce que on voit bien que la technologie, le travail, non. Tu vois, graphiquement, c'est superbe. C'est vrai que le paysage, il est beau à regarder, c'est sympa. Moi, ce que je crains, si tu veux, c'est, je veux dire, le contenu en termes de machine, en termes d'avion. C'est ça qui me fait peur. Peut-être moi, pouvoir rentrer mon volet, là, non? Tu sais que tu peux rester avec un cran de volée jusqu'à 137 nœuds, donc t'assures de la portance, cool. Tu peux y aller, vas-y, reste, assure ta montée pour l'instant, prépare ton pilotage automatique, parce que vu que tu as ton volet de sortie, ça veut dire qu'avant de décrocher, ton appareil il va avoir de la marge. Décrochage, c'est quand t'as plus assez de portance et que ton avion devait faire un fer à repasser, ça vole pas bien. Alors attends, par contre pour le programmer, là, il faut que je fasse altitude, tu m'as dit. Altitude, donc tu veux voler, là tu voles à ton altitude, voilà, bon... C'est pas ça que je veux faire, il est bête lui. Déjà tu l'allumes, enclenche-le ton pilotage automatique. Par contre le problème, voilà, je me mets à combien en... Altitude, allez, tu te mets à 3000 pieds. Ah d'accord, il est en mode approche. Ouais... Je pense que tu as appuyé sur APR. Ouais, je sais, mais je l'ai annulé. Voilà. Donc ce que tu fais, tu vas voler à 2500-3000 pieds, ce sera largement suffisant. Il n'y a pas de relief. J'aurais dû ouvrir ma boîte de... comment ? Ah oui, c'est vrai que tu peux pas le commander direct, ce putain. Mais non, tu vois, c'est ça le problème. Ça, voilà. Ça, tu vois, et ces heures de boulettes, tu vois, qui me fera craquer sur le simulateur qu'ils vont proposer. Parce alors que après, tu perds un temps fou. À ouvrir tes box de partout. Alors par contre, je vais mettre mon indicateur de cap, HDG. Je vais rentrer le cran de volet, peut-être, non? Ouais, tu peux le rentrer, là. Allez, 3000 pieds, ça sera nickel.
Et nav, c'est quoi alors, nav? Nav, c'est pour faire de la radio-navigation ou de la navigation au GPS. Donc là, normalement, il doit prendre normalement son cap tout seul, là. Là, je touche plus rien. Par exemple, sur le GPS, je peux te montrer une touche magique. Si tu zoomes sur le GPS... Alors... Donc là, tu touches plus à rien, non, effectivement. Non, je laisse faire. Ouais, vas-y. Tu zoomes sur le GPS et t'as une touche avec un D barré avec une flèche. Une touche avec un quoi, tu m'as dit? Avec un D barré avec une flèche. Avec un D barré avec une flèche. Tu vois, quand tu regardes ton écran du GPS, c'est à droite de l'écran. T'as 6 touches, toi, t'as... Tu vois, tu regardes sur les commandes de droite. De droite, ça c'est ta gauche. Non, moi, pour moi c'est ma droite. Voilà, donc. Et tu vois, t'as 6 touches qui sont toutes seules en bas. Tu sais, t'as 3 boutons qui sont COM, CRS, Range. Et t'as 6 boutons où t'as marqué FPL, Clear, ENT, Prog et Menu. Je vois pas où t'es en fait là. Au-dessus de la commande des flaps. Donc c'est les 3 petits boutons qui sont là. Attends, montre-moi ta souris, parce que je la vois pas. Là. Tu parles non, de ça pas. Non. Plus à droite, tu vois la commande là. Flaps. Non, et ben juste au-dessus. Légèrement plus à droite, juste au-dessus. Bah après c'est ça, non? Attends, je vais attendre que ce que j'ai du retard comme même sur stream. Voilà, c'est ça. Tu vois dans ces 6 touches là, la première en haut à gauche. Non, en dessous du rond là que tu montres sur Steam. Donc ça là. FPL et voilà. C'était CLR. C'est ça. Et tu vois, t'as une touche avec un D barré, avec une flèche. Celle qui est tout en haut. Tout en haut à gauche. Voilà. Ça c'est pour faire un plan de vol direct. Tu rentres. Un OSI de départ, un OSI d'arrivée. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire la dernière fois, mais justement ça, parce que je me suis intéressé à ça, mais j'ai rien compris pour les validations en programmation. Et le problème, c'est que je sais pas si DTG l'a bien prévu, tu vois. Tu me laisses quelques jours et je t'envoie toute la doc pour le faire fonctionner. Normalement, ils l'ont prévu. Je viens de regarder sur internet, ils l'ont prévu. D'accord. Mais je vais t'envoyer un petit tuto maison ou je te ferai un petit tuto maison pour apprendre à t'en servir. D'accord. Donc après, voilà, moi, pour en revenir à ce qu'on disait donc sur le simulateur que va proposer DTG. Salut Wolfo, à bientôt. Travaille bien, merci d'être passé. Salut Wolfo, à bientôt. Salut Yvan Gog, je t'ai pas salué au passage, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je réponds en même temps, Polar. Ouais, pas de soucis. Moi, si tu veux, le truc que je crains, voilà, c'est pas en termes de graphisme. Je sais que graphiquement, ils vont nous faire un truc équivalent à ça, voire peut-être encore un peu mieux. Moi, ce que je vais attendre, c'est des machines qui soient performantes. Pas avoir des bugs comme ça à la con. C'est clair. Ça va. Tu vois, moi, dans les avions. Toi, ça va t'énerver, ça. Hein. Ah, ça va me faire fumer. Hein. D'ailleurs, ça va énerver le monde aéronautique virtuel. Ben, c'est-à-dire que le monde, je vais pas dire qu'on est chiant, mais on est exigeant. On a des add-ons maintenant qui commencent à être de très très bonne qualité. Bah tu sais, c'est un petit peu comme ça sur TS. Hein. Si tu veux, on a des add-ons de très grande qualité. Tu regardes un PMDG maintenant, ça bug pas, ça fonctionne. Ouais. Et s'il y a un truc où tu cliques dessus, c'est censé fonctionner, t'es censé. Surtout qu'on utilise les procédures réelles. Après, ce qui ferait que ce jeu marchera ou pas, c'est si on peut nous l'inclure dans nos réseaux de vol. S'il peut pas aller sur Ivao, déjà, tu peux être sûr que. Il va perdre, voilà, c'est que moi je vais pas perdre mon temps avec. C'est clair. Parce que moi je vole quasiment plus en solo. À la rigueur, je vais faire un test d'appareil en solo, mais c'est tout. Mais sinon, non, c'est un simulateur qui est. Tu vois, par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est cette histoire. Alors, est-ce que, tu sais quoi, à mon avis, je pense que la descente verticale que tu me parlais. Je pense que je peux la programmer, mais à partir de... Quoique, je sais pas, je vois pas la touche sur... Ce que je vais faire, c'est que là, tu vois, je suis un peu mal à l'aise, parce que je découvre le simu, je découvre... Oui, mais c'est maintenant, pas grave, c'est pas grave. Je vois à peu près comment c'est fait. Moi, je vais étudier le DA42 sur Flight School, je vais regarder des tutos, je vais regarder des trucs, je vais potasser le GPS, la prochaine fois, on va le gérer, ton avion. C'est clair. Parce que ce qui est dommage, tu vois, c'est que on a la fonction, mais pour moi, je peux toucher à rien du tout. Parce que quand je clique dessus, il se passe rien. Et ça, c'est dommage. Ouais. Bon, je vais vous abandonner 2 minutes. Vas-y.
J'ai baissé un petit peu les gaz parce qu'on était un peu rapide quand même. Ouais, ouais, alors évite d'aller en surpiste déjà pour économiser du fuel, c'est voilà. Bon, à mon avis, alors faut savoir que t'es en VFR, donc t'es censé décoller avec le plein. Oui, oui, mais là-dessus, je m'inquiète pas, ils ont prévu. Et j'ai refait le plein sur une mission il n'y a pas si longtemps que ça, donc... Parce que je peux faire les pleins quand même, hein. Non, c'est bien. Non, parce que bon, en VFR, ça, je vais essayer de t'expliquer un peu les règles, parce que moi, j'ai vraiment envie de t'emmener sur Ivao, histoire que tu pilotes sur Ivao. C'est clair. Donc, si tu veux, quand t'es en VFR, comme tu peux être amené, si tu veux, à attendre pour céder le passage à un gros porteur, quand je dis gros porteur, ça va du 747 à la 320. C'est un liner. Ouais, ouais. Du coup, on subodore que t'as décollé avec le plein. Voilà, d'accord. Parce que c'est, tu peux atterrir avec le plein, il n'y a pas de problème. C'est pas un gros porteur, lui. C'est pour ça, tiens, par exemple, bonjour Ricky 16R sur YouTube. Désolé, je réponds à ta place. Comme ça, toi, t'es content. Oui, je préfère, de toute façon. Ce n'est pas X-Plane 9, c'est Flight School de Dovetail Game. X-Plane 11, je crois qu'il doit sortir bientôt. Ouais, ils ont fait la pub il y a pas longtemps d'X-Plane 11. Ouais, bah il va envoyer du steak celui-là aussi. Ouais, c'est clair. Il va envoyer du lourd. Tu vois, moi je vais m'y intéresser. Bah X-Plane, je m'y étais intéressé parce que c'est vrai. C'est toi qui te l'ai déconseillé. Voilà, c'est toi qui me l'as déconseillé. Il est dur, mais. Alors, la différence fondamentale entre X-Plane et P3D, qui sont deux simulateurs que je connais, c'est que P3D utilise ce qu'on appelle un modèle informatique de vol, c'est-à-dire que c'est des calculs de vol simulés. X-Plane, c'est déjà de l'aérologie, donc déjà le comportement des avions dans le simu, c'est pas le même. Ensuite de ça, P3D, tu peux régler, on va dire, la difficulté de ton simulateur. Tu fais un touch un peu hard. Ton train d'atterrissage, il va pas venir percuter ton avion. T'es clair. X-Plane, de toute façon, c'est soit tu le poses ton avion, soit tu le fracasses. Voilà. Moi, X-Plane 10, je l'ai. D'accord. J'arrive toujours pas à poser un zinc dessus. Si je commence à arriver à poser les... Je commence à y arriver. Bon, il est midi 56, on a quand même décollé avec quoi, 5 minutes de retard. Ouais. Donc ouais, vers 13h15, on sera arrivé, je pense. On sera posé, tout à fait. Bon, j'ai dit que je m'absentais, moi. Absente-toi, absente-toi. J'ai un coup de fil. Voilà, donc on attend que Polar revienne pour m'aider. Je vous rappelle que cet après-midi, vous aurez une deuxième émission avec moi sur le Pice Day, donc LCDG. On fera du Train Simulator à partir de 16h jusqu'à 18h. J'en profite également pour vous rappeler que le forum de la LCDG a réouvert. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite bien sûr à vous rendre sur le forum de la LCDG et de vous y inscrire. Moi, je vais d'ailleurs faire ma réinscription dans peu de temps, mais voilà. N'oubliez pas que le forum est de nouveau ouvert avec un nouveau design, un nouveau look, et c'est plutôt sympa, voilà. Donc après cette émission, on se retrouve pour la deuxième émission à partir de 16h jusqu'à 18h sur Train Simulator.
C'est quoi la LCDG? Bah t'es dessus, la compagnie des geeks. Alors si tu ne connais pas la LCDG, tout d'abord bienvenue, compagnie des geeks. Tu as le site internet de la compagnie des geeks et le forum de la compagnie des geeks. Voilà, re. Re. Désolé, j'avais un coup de fil. De prendre petite chose à régler. Une personne sur le chat qui demandait ce que c'était que la compagnie des geeks. Donc j'ai dit que c'était. Enfin, la LCDG, donc c'est la compagnie des geeks. Et pendant que tu n'étais pas là, j'en ai profité pour faire les annonces de forum et du site internet de la compagnie des geeks. Voilà, parce que le forum a réouvert. Il y a un petit. Un nouveau look. Et c'est assez sympa, je trouve. Ben voilà, ben tiens. Ah ben, d'accord. Ricky 16, c'est Papa Denis, ok. Est-ce que tu te souviens de l'aéroport de destination? Non, ça c'est toi qui sais. Je t'avoue que j'ai zappé. Alors ce que je vais faire, regarde. Hop, tu retiens, c'est E-G-H-Q. E-G-H-Q. Hop, ACI, EGHQ, je vais vérifier ce que c'est, parce que je connais pas tous les OACI par cœur. Je pense qu'on... Alors je sais pas si on va être près de l'océan, ça, je sais plus. Normalement, non. Normalement, on est en Angleterre, hein, on est quand même sur les côtes anglaises hein, à la base, hein, je crois. Oui, bah, c'est pas faux, attends. OACI, EGHQ. Là je crois qu'on se dirige vers les côtes anglaises, je suis pas sûr, mais il me semble. D'ailleurs sur le GPS, les points bleus là, c'est pas de l'eau. Attends. Alors, on va atterrir à Newquay, Cornwall. Ouais, c'est ça. Newquay. C'est. Je crois que mon aéroport est à l'approche. Je suis pas sûr. On va voir. En même temps, ça m'étonnerait pas puisqu'il est 13h presque 5 et on a dit qu'on atterrissait à 13h15. Donc normalement, là, ouais, ça va être mon aéroport d'approche. On le voit pas encore sur le GPS à droite, mais... Alors, Yvan, pour répondre à ta question, non, il faut que tu te réinscrives sur le forum vu qu'on l'a changé. Il faut recréer ton profil sur le nouveau forum. De la compagnie des geeks. J'arrive pas à voir, il me l'affiche à gauche mais il me l'affiche pas à droite. Ouais, c'est étrange, c'est très étrange. Je t'ai dit quoi comme EGHQ. Non, c'est pas celui-là. Là, c'est A à la fin. Donc c'est pas celui-là.
Bon, qu'est-ce que t'en penses du Trakir Polar? C'est pas mal. Non, c'est vrai sympa. En fait, ça conforte dans le sens où tu peux bouger ta tête et réagir au bouton quand tout fonctionne, bien entendu. Exactement. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça, faut que tout fonctionne. Mais par contre, ce qui est bien aussi, c'est que sur Fly School, par exemple, la caméra, il fallait que je me dirige, tu sais, sur le joystick, j'ai un chapeau chinois. Et le problème, ouais, c'est qu'avec le chapeau chinois, quand tu tournes à gauche de ta vue ou tu tournes à droite de ta vue, pour te recentrer sur ta vue, bah, c'est une vraie galère. Ce qui fait que je perdais du temps donc dans les manœuvres pour pouvoir manipuler mon avion. Et franchement, à chaque fois, je me plantais, quoi. Ah ouais, non, mais c'est moi, c'est pareil, j'utilise soit ce qu'on appelle les champignons, hein, sur le joystick, soit moi j'ai une touche espace plus clic droit, et là ça va plus vite. Voilà, après c'est vrai que le Trakir, ça donne un petit côté beaucoup plus immersif qu'avec des vues caméra, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis après, tu as des add-ons encore pour... Tu vois, sur Petronia, on peut rajouter un truc qui s'appelle Jetplane, c'est encore mieux, tu vois. Jetplane, SDoc, on a plein d'add-ons comme ça, qui améliore, qui simule même les vibrations de l'avion, le mouvement de tête du pilote, tu vois. Donc c'est... Et puis je suis assez content de ne pas pouvoir mettre ma caméra parce que j'ai une casquette sur la tête depuis tout à l'heure. Et très franchement, à mon avis, pour ceux qui me connaissent personnellement, la moquerie ne serait pas loin. Parce que j'ai pas du tout une tête à chapeau. Voilà. Donc je suis très content qu'on me voit pas finalement, tu vois. Parce que je peux t'assurer que j'ai vraiment une tête de... Hein. La casquette me va pas du tout. Si j'avais su, j'aurais même pris, tu sais... comment? Le Trakir que tu mets sur ton casque. Ouais, voilà. Ouais, suite bio, quoi. Mais comme je savais pas, je me suis un petit peu fait avoir quand je l'ai pris. Bon, après, c'est un cadeau d'anniversaire. Hein, donc forcément, j'ai pas non plus cherché à... Mais c'est vrai que la casquette sur la tête, j'ai pas une bonne tête et je suis très content qu'on me voit pas. Ouais, ça c'est vrai que c'est le problème. Voilà. Bon, on est plutôt bien au niveau de la croisière là. Ouais, c'est plutôt... On est bien, c'est bien placé, l'avion se comporte plutôt bien. Regarde, surveille ta vitesse de temps en temps. Bah, je suis à 133, 134 nœuds. Parfait. J'ai remarqué, tu sais, aussi sur le Fly School, quand tu veux ouvrir une fenêtre ou quoi, je sais pas si tu viens de voir ce que je viens de faire, mais c'est un petit peu comme sur FSX, hein, c'est exactement pareil en fait. Hein. Oui, bah ils ont. De toute façon, faut pas oublier que dans la game, ils ont racheté FSX. C'est ce que j'allais te dire. DTG a racheté FSX. Enfin, la licence a été vendue à plusieurs. Mais effectivement, je reconnais bien l'interface. Ouais. Il y a plein de similitudes comme ça. Je pense que pour mon approche, je pourrais peut-être faire une approche à 2000 pieds là. Ah bah tu... En descente. Je vais regarder comment tu vas faire. Ah. Je vais te laisser faire, je vais te regarder faire. Tu vas me laisser faire. Voilà, pour voir. La façon dont toi t'appréhendes l'approche et puis après ça... Bon après voilà, je fais à ma façon aussi, forcément. C'est pas forcément la façon la plus professionnelle, mais... Ça c'est sûr. Merci. Mais après je te... Non mais voilà, c'est-à-dire que... C'est sorti avec le cœur. Oui, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Non mais voilà, après si tu veux, moi quand je te sors les cartes d'approche, tu vois tout de suite. Ouais. Bah après je me suis entraîné aussi tout seul, hein, donc forcément... Voilà, donc après moi je te montrerai comment faire une approche avec les cartes, on va voir. C'est complètement différent. Ah bah oui, mais j'aime bien ton... Ça c'est sûr. Ça sort du cœur. Bah ouais, bah c'est... J'adore Polar. Alors qu'est-ce que c'est que cet aéroport qu'on survole là? Et tu vois, ce qui est bien, c'est que je peux même me pencher. On survole un aéroport, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. En plus, on est en Angleterre.
C'est marqué hein, sur mon GPS. Je sais pas si c'est EQLA ou EGLA, je sais pas. On voit mal, il y a le trait dessus. Et je t'ai dit quoi tout à l'heure? Le EGHK. Et ben je crois que le EGHK il est en vue. Ah, ça y est, K ou Q? EGHQ, pardon. Donc c'est celui-là, EGHQ. Il est devant, on le voit. Peut-être pouvoir commencer. Ah bah non, je suis à. T'es encore je suis à 3000 pieds. Par contre, j'ai l'impression que la piste elle est sur la gauche. La piste, oui, enfin c'est. Je sais pas. Attends, je vais regarder les cartes. J'ai l'impression qu'elle est sur la gauche la piste. Donc il va falloir que j'aille plutôt sur la droite. Et que je me remette en parallèle comme tout à l'heure finalement. Alors, orientation des pistes. Donc l'aéroport se trouve à 119 mètres d'altitude, 390 pieds. Par contre, je vais allumer mes feux tout de suite. Moi, de toute façon, je crois que je les avais même pas éteints en fait. Ah non. Hop. Donc la piste est orientée en 12 et en, est orientée 12-30. Pour moi, ma piste, elle est sur la gauche, là. Hein. Oui, elle est légèrement à gauche. Donc il va falloir que je refasse un vent arrière main gauche. Ah bah là, tu fais soit vent arrière main gauche, soit main droite, soit tu passes au-dessus de l'aéroport, soit tu le contournes, et après tu viens te poser. D'accord. Je crois même après, que je vais peut-être pouvoir reprendre la main maintenant. Ah, c'est... Oui, c'est tout. Ouais, on va pas tarder à arriver dessus, ouais, c'est... Enfin voilà, tu gères ton approche comme t'as l'habitude de le faire. Bah, ça t'empêche pas de m'aider, hein. Ah oui, t'inquiète pas. Donc l'aéroport, tiens, on va faire un peu l'historique. Alors, l'aéroport donc de Newquay, où nous allons atterrir. Hein. Il y a plusieurs compagnies qui sont dessus, donc il y a Eurowings qui fait un vol saisonnier de, jusqu'à Düsseldorf, sinon Flybe fait des vols quotidiens, enfin réguliers, jusqu'à Londres Gatwick, Leeds, Bradford et Manchester, et en saison Aberdeen, Belfast, Birmingham, Doncaster, Sheffield, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, Londres, Stansted, Newcastle, Upon Tyne. Et puis Ryanair fait un vol saisonnier entre jusqu'à Alicante et Faro et Francfort. Jusqu'à voilà. Alicante? Jusqu'à Alicante, oui. En Espagne? En Espagne. Ah bah. Bon, ça fait une heure et demie de vol avec un gros porteur. Ouais, bah Alicante, je connais bien. J'adore l'Espagne et j'allais passer mes vacances à Alicante. J'ai repris la main, hein, Paula. Hein. Je vois ça, je vois que tu manipules ton levier, ton manche à balai. Ah, ma piste, elle est là-bas à gauche, je la vois. Ah oui, bah c'est très bien. Donc là, tu as ta piste en visuel. Bah, de toute façon, en vol VFR, le tout, c'est d'avoir un visuel sur la piste. Hein. Et après, c'est de garder ton repère. Donc la piste, en fait, si tu veux, il faut que tu ailles de l'autre côté. Parce que là, tu vois, on est de façon séquente par rapport aux pistes. Donc là, tu es en... Ouais, je passe au-dessus de la mer, c'est ce que je te disais, tu vois. Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais, ouais. Non, mais après, quand j'ai vu là, j'ai des cartes sous le nez. Donc je vois à peu près comment il est foutu. Donc après, bon, je pense que tu dois avoir un métard qui doit C'est pas une approche si facile que ça, parce que... J'ai remarqué que quand tu passes au-dessus de l'eau, quand même, t'es désorienté. Très vite. Assez rapidement. Ouais. Ah oui, parce que tu arrives beaucoup moins facilement à estimer ton altitude au sol. Donc là, je vais faire quand même une approche qui est pas du tout évidente, je pense, pour moi, en tout cas. C'est pas, non, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais on va le faire. Oui. De toute façon, on n'a pas le choix. Bah,
C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a vu, il se pose. Enfin, il peut voler encore un moment parce que je pense que niveau gazout, il doit être plein. Mais... Ouais, je pense aussi. Bon, ça consomme un peu ces petites bêtes quand même. Fais attention, donc n'oublie pas, avant de descendre, contrôle toujours ta vitesse. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai la main sur le... Sur la manette des gaz, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. À partir du moment où tu reprends l'avion, une main sur la manette des gaz, l'autre sur le... Sur le levier de bas ou sur, comme on dit, sur le joystick. Par contre, le trackir, il a tendance, tu vois, à me faire des traits sur le... Ah, ça, c'est parce qu'en fait, t'as pas, c'est le toit de ton avion qui apparaît. Ouais. Ah, faut que tu le recentres à un moment. Faut que tu le centres à un moment. Je sais, bon, je connais pas très très bien, mais... Bah, en fait, même si je le centre, mais... Bah, je verrai ça avec, avec Bio, t'inquiète. Tu vois, hop, ça t'as vite fait de... Impeccable, là tu vois, tu gardes bien ton repère sur, sur l'avion, enfin sur l'aéroport, c'est parfait. Après, il faudra quand même que je t'entraîne à faire des ventes arrière. Ouais. C'est sûr que je connais pas tout, mais... La vente arrière, c'est pas très compliqué, je te demande, on fera, ça sera l'occasion d'un autre... Je pense quand même que voilà, j'ai déjà appris des bases principales. T'as quelques petites bases, mais là, si je te fais faire un tour de piste, à mon avis, ça va être patatoïde. Ah bah c'est clair, mais de toute façon, c'est l'intérêt aussi de... Ça serait pas marrant si je savais tout faire. Exactement. Ah non, mais moi, je t'avoue, avant qu'on m'explique, qu'on m'apprenne, que je m'entraîne... Et d'ailleurs, c'était, je te dis encore une fois, parce que je le rappelle quand même, l'idée de l'émission que moi je propose en tout cas sur... Attends, ce que je crois... Voilà. L'idée de l'émission, justement, c'est que j'apprenne en direct pour aider aussi ceux qui veulent s'intéresser, notamment à Fly School, mais à d'autres jeux de simulation d'avion, et qu'on puisse tout apprendre, tu vois, d'une manière simple et intuitive par rapport à tes conseils. Voilà. C'est sûr. Et sachant que moi, je ne suis pas du tout pilote réel, Max, tu vois, il sera encore plus performant que moi, parce que lui, c'est le genre d'avion qui pilote, lui. Moi, j'ai piloté sur Cessna, mais il y a longtemps, hein. En réel, je parle. Tu vas légèrement te décaler à droite. Tu vas trouver ça bizarre, c'est normal, c'est juste pour faciliter l'alignement. Ouais, l'alignement à la piste. Parce que là tu vas overshooter l'axe, donc, c'est-à-dire que tu vas dépasser l'axe de piste. Tu vois, l'aéroport se trouve derrière toi, donc tu es en train de croiser les axes. Tu vas décaler légèrement à droite pour après faire un demi-tour de façon à essayer de te rétablir dans l'axe et tu vas commencer à descendre tranquillement en contrôlant ta descente et ta vitesse. Ah, c'est embêtant ça. De toute façon là je fais du vol en palier. Hein. Non, là, t'es palier, hein, c'est normal. Tu vas faire ton virage et légèrement, et une fois que tu l'auras terminé, tu vas commencer à descendre. Donc là je peux commencer à virer d'après toi ? Ouais, je pense, peux, hein, largement. À droite ou... Tu vires à droite pour après faire une espèce de longue boucle. Ah, tu veux que je fasse une boucle en fait. Ouais, pour revenir dans l'axe. Parce que là, sinon, ça va être très compliqué pour toi de te rétablir. Ouais. En fait, ça, en quelque sorte, ça va te faire rallonger ta durée de vol et ça va te permettre de te laisser le temps de t'aligner. Parce que tu vois, t'as un repère, c'est ton GPS. Tu vois à peu près où se trouve l'aéroport par rapport à ton appareil. Ah, c'est gentil, Van Gogh, on l'adore tout ce polar. C'est trop mignon. Ok, allez, maintenant tu vas virer tranquillement à gauche sans incliner trop l'avion, de façon à faire un virage très lent et à revenir dans l'axe de ton aéroport. À mon avis, il va pas être trop mal celui-là. Un beau 360, ouais, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus, 360, c'est même carrément mieux que ce que je pensais faire, c'est nickel chrome. L'angle d'incidence de l'avion, tu vois, est pas trop violent, donc ça, tu mets pas trop de contraintes sur l'avion, c'est bien. Et dès que tu as l'aéroport en visuel, tu commences ta descente tout en commençant à chercher à t'aligner sur la piste. Et sur la gauche de la piste, tu as un indicateur qu'on appelle le PAPI. P-A-P-I. Ouais, je l'ai en visu. Voilà, donc ce truc-là, tu cherches toujours à avoir, pour être sur le plan de descente, deux rouges et deux blanches. Enfin, deux rouges, deux jaunes. C'est le plan de descente. Et je vais même pouvoir commencer à sortir un cran de volet, j'arrive en zone blanche. Voilà, tu peux sortir, bah déjà tu sais que tu peux sortir un cran de volet à partir de 137 nœuds, donc tu peux, voilà. Et c'est quand tu passes en dessous de 111 nœuds, touc, tu peux même sortir tous les volets. On le sait maintenant.
Donc là, tu vas chercher à aller accrocher ton axe de piste. Et comme je te disais, tu vois, sur la gauche de la piste, tu vas chercher à voir deux rouges, deux jaunes. Ça, c'est ton papy, c'est l'indicateur de Par contre, attends, ma piste, elle est en face de moi ou pas, là? Non. Non, non, elle est légèrement décalée. Mais c'est pas très grave, tu vas pouvoir récupérer ton axe. Ça va, c'est pas grave. Essaye de corriger encore un peu à droite de façon à faire un virage à gauche après. C'est ce que je fais. Oui, elle est sur ma gauche, la piste. Elle est légèrement d'accord. À gauche, ouais. Elle est légèrement ouais, tu à gauche. M'as fait faire une boucle. Moi, ouais, je t'ai fait faire un 360, oui. 360, c'est un tour complet. Et tu vois la petite lumière, les quatre lumières dont je te parle. On regarde, comment très, c'est, très regarde comment c'est beau, là. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Faut vraiment reconnaître ça. Faudrait que tu descendes un petit peu plus. Allez, maintenant tu vas essayer de virer pour t'aligner. Faudra que tu t'alignes en finale, c'est pas grave. Et là, tu vas chercher à te servir donc du papy. C'est un indicateur extérieur. Ça se trouve au bord de la piste. Ça se trouve à gauche de la piste. Et tu vas chercher, en fonction de ton altitude, si tu veux, les lumières vont changer de couleur. Deux rouges, deux jaunes, ça veut dire que tu es sur le plan de descente. Ah ouais, ça j'avais remarqué. Et ça, si tu veux, ça te permet d'être à peu près sûr de ne pas toucher d'arbre avant la piste. Tu vois, c'est le plan de descente. J'ai ressorti un cran de volet. Hein. Ouais, ouais, c'est bien. Tu peux sortir le train aussi. Ça y est. Allez, hop, un petit coup à gauche là parce que t'es un petit peu trop. Tu coupes un peu trop ton axe, t'as une rouge d'allumé, c'est bien. Il t'en faut encore une deuxième et tu seras sur le plan de descente. Et après, tu te contentes de garder l'axe de piste et ses lumières rouges allumées. Deux jaunes, deux rouges. Et tu seras nickel sur la descente. Là, parfait. Tu vois, t'es sur le plan de descente et t'essayes de garder ce paramètre. Ah, c'est pas mal du tout là, c'est très très bien ça. Attention, t'es un poil bas. Un peu plus sec le virage à gauche, donc tu vas claquer l'axe. C'est pas mal, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, t'as un petit avion, donc n'hésite pas à bouffer de la piste ouais. Pour t'assurer de faire un kiss, pour pas violenter ton avion. Faire ce qu'on appelle un stress machine. Ok, c'est parfait, ça c'est très très bien. Décale-toi légèrement à gauche encore. Parce que là, tu vois, t'es pas dans l'axe. Ah, tu te présentes très très bien sur la piste, c'est bien. Allez, tu réduis un petit peu les gaz. Ne te précipite pas pour le poser, hein, doucement. Non, non, non. Il va tranquille. Bouffe de la piste, t'as de la place, ton avion un petit, il freine bien. Attends, attends, attends. Tiens encore, tiens encore, tiens encore, tiens encore. Tranquillement, doucement. Tu posais, doucement, moi. Bon, bah voilà. Attends, il atterrit sur Steam. Ouais, le toucher est beau là. Là, tu vois, le toucher est propre. Ouais. T'as pas eu de rebond. T'as non. Pas eu de blam, tu vois. Donc, bon, ça fait du bruit quand ça se pose. C'est petit. Là, tu vois, c'est. Tu t'es servi du papy. Donc, le papy, tu vois, ça te donne l'axe. Donc, t'as une incidence par rapport à la piste. Ouais, ouais. Idéal. Ça, j'avais après... remarqué en fait que, en effet, t'avais des couleurs par rapport à, voilà. À l'alignement de la piste. Ça, c'est... En fait, ça te permet juste d'aligner ton avion de façon verticale par rapport à la piste. Parce que même si tu es à côté de la piste, il va te dire, ok, tu es sur le bon plan de descente. Parce que c'est des miroirs, c'est un jeu de miroirs en quelque sorte. Ouais, ouais. Tu vois, c'est en fonction de l'altitude. Alors, voilà, c'est comme ça que ça varie. Après, donc ça, c'est dans, par exemple, pour te donner un exemple, dans l'ILS, c'est remplacé par le glide slope. Le localisateur vertical par rapport à l'axe de piste. Sauf que au lieu que ce soit visuel, pour un ILS, ce sont des ondes. C'est une radio qui guide. C'est pour ça qu'on rentre une fréquence d'ILS. D'accord. Et une course de piste. Et après, si tu veux, donc pour l'ILS, tu as deux indications qui sont envoyées par radio à l'avion. Tu as le glide slope, donc l'altitude, et ce qu'on appelle le localizer. C'est la localisation horizontale. Et en fait, quand tu as deux petits repères, tu en as un à droite qui monte et qui descend, c'est le glide. Un droit en bas qui va de gauche à droite, c'est le lock. Et bien en fait, il faut que ces deux axes soient au milieu de ton faut que ces deux petits repères soient au milieu de ton, on va dire, de ton écran de navigation. Et à ce moment-là, tu sais que tu es dans l'axe.
Et tu t'as juste à le suivre et à faire en sorte que ces deux axes ne bougent pas. Et tu es sûr d'arriver à la piste. Je suis pas mécontent de mon petit atterrissage. Là, l'atterrissage est pas mal. Bien présenté. En plus de ça, ce qui a été très très bien. Parce qu'à Lyon, ton avion, il a légèrement atterri. Ouais. D'oblique. Il n'était pas horizontal. Bon, je l'ai récupéré. À Lyon, je l'ai récupéré. Mais normalement, c'est vrai que j'aurais peut-être dû remettre les gaz pour repartir. C'était compliqué. C'est pour ça quand je t'ai dit de remettre les gaz, c'est que l'avion se plantait mal. Donc là, on n'est pas sûr de poser proprement ou sans casser l'appareil. On y retourne, vaut mieux tenter sa chance. On a le carburant, on n'est pas pressé, on repart. Là, si tu veux, ce qui s'est bien passé, c'est que tu as amené l'avion donc déjà sur le bon plan de descente, tu as bien suivi le papy. Tranquillement, donc t'avais un repère visuel pour ton alignement vertical. Donc déjà, un stress en moins. Ensuite de ça, ça t'a permis tranquillement d'amener ton avion. Bon, il a fait des S et tout. Il a battu des ailes, c'est normal, c'est un petit avion. Ouais. Mais ce qui fait que tu l'as amené bien horizon. Au moment où tu as fait le toucher, tu étais bien horizontal. Donc ton avion, il a touché à plat et en douceur. Et surtout, voilà, tu t'es pas précipité pour le poser. Non, j'ai pris mon temps là. Voilà, faut y aller. Et ce qu'il faut se dire, c'est ça va, c'est un petit, j'ai la place. De toute façon, tu le freineras. Avec un gros, effectivement, il faut poser tôt parce qu'il faut quand même l'arrêter. Et il y a un moment où même le gros porteur, il va te dire long landing. Ça veut dire l'atterrissage est long. Et moi, quand j'entends ça avec le général, hop, tu t'allonges en fait, ouais, t'allonges. Ah ben, c'est à dire que dès que j'entends long landing, c'est que je me dis ok, ça va être short. Allez, hop, je remets les gaz, j'y retourne. Bon, j'ai mieux stationné là, hein, voilà. Tranquillos. Bon, ben, il me reste plus qu'à potasser tout ça. Donc, je rappelle que je suis pas instructeur, que je suis pas non plus un pro de l'aviation. Hein. Voilà, j'essaie de filer des petits conseils pour que tout le monde puisse passer du temps sur un simu. Et attends, qui tu sais ? Et puis, il faut pas oublier qu'on est là pour s'amuser. C'est ça. Alors, c'est de la simu qu'on fait sérieusement. Parce que, voilà, on va pas planter l'avion. Bien, j'ai remarqué que beaucoup, en fait, chez le public un petit peu jeune, ils demandent souvent à ce que l'avion, on fasse un crash. On s'amuse pas à faire des crashs, en fait. On s'amuse à piloter un avion, on est conscient que ça reste un jeu, mais on le fait sérieusement. Mais c'est vrai qu'on fait pas ça pour passer un PPL, quoi. Non, ça c'est sûr. Hein. c'est ce que j'expliquais dans mon dernier stream. C'est pour ça que je reprends, parce que je sais que tu l'expliquais dans ton dernier stream. Voilà, dans mon dernier stream, je l'expliquais. De toute façon, j'ai beau, moi, par exemple, être dans le cockpit d'un 777, on va faire un sketch, tiens, allez, on va rigoler. Moi, l'hôtesse de l'air arriverait en demandant « Y a-t-il quelqu'un qui a des notions de pilotage ?» Je pourrais dire « J'ai des notions. » Pourquoi ? Parce qu'on me dirait « Vous cherchez tel appareil. » L'appareil, globalement, j'en connais une grande partie du fonctionnement. En revanche, ce que je ne subis pas, c'est la pression que subit le commandant de bord, parce qu'il a une pression d'amener ses passagers d'un point A à un point B, mais il doit le faire en toute sécurité, en s'assurant que son avion ne coûte pas une masse à sa compagnie, donc il a une pression là-dessus, en étant à l'heure. Enfin bref, tout ça, il a tout un tas de contraintes, il y a plein de stress que nous on n'a pas, et surtout ce qu'on n'a pas dans nos simulateurs, on est peinard, on est assis dans notre salon, on est chez nous, on n'a pas les mouvements de l'avion, on n'a pas tout ça, donc c'est vachement facile. C'est clair. Et puis pour ceux qui demandent des crashs, moi je veux bien faire un crash sur P3D, mais c'est pas beau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'avion qui disparaît. Non, puis ça sert à rien surtout. Ça sert à rien, mais c'est surtout que c'est pas. Voilà quoi. Ça pourrait être drôle s'il y avait des formations, machin, de montrer voilà ce qui se passe. Bon, c'est. Voilà. Mais c'est sans intérêt. Et c'est surtout que dans P3D, vous voyez l'avion qui disparaît de l'écran, vous voyez marqué crash. En rouge. Ouais, voilà. Non, mais ça sert à rien. Et bon, après, je comprends que les. Voilà, c'est amusant peut-être de voir un crash d'avion ou quoi sur le jeu. Mais tout ça pour dire que. On n'est ni pilote, et donc on veut apprendre par rapport au jeu pour qu'on puisse savoir voler et profiter du jeu. Finalement, c'est ça. C'est de pouvoir profiter du jeu de simulation plutôt que, à proprement dit, de pouvoir passer un PPL ou de pouvoir piloter en réel dans une situation comme tu viens de citer. Si un jour on te demande de prendre les commandes d'un Boeing 747, tu connaîtras que les bases, tu pourras qu'écouter la personne à la radio te naviguer et peut-être te donner des instructions. Exactement, voilà. C'est-à-dire que s'il me dit par exemple voilà, régler le pilotage automatique sur temps pied d'altitude, je saurais faire, pas de problème. Régler la course de piste et l'ILS, je saurais faire. Mais c'est-à-dire que je ferais faire, comme je disais dans mon stream, j'arriverai dans le cockpit, première chose que je vais faire, je vais kiffer. C'est clair. D'un avion en train de voler. Deuxième chose que je vais faire, je vais paniquer.
Merde. Et bah oui. Il faut que je pose cette grosse bête. Parce et, que même, et forcément. Même, forcément. Même après tout, on reste sur du simulation, sur de la simulation. C'est de la simulation. Calcul informatique. Les avions que je pilote, c'est ce que je disais, et c'est le, là où un commandant de bord après était sur mon stream. Enfin, comme je dis, un commandant de bord, je mets toujours en doute. Ce n'est pas que je ne crois pas, mais c'est que voilà, des commandants de bord, j'écoutais tous ceux qui m'avaient dit ça en stream, j'en connais plein maintenant. C'est clair. Là, quelqu'un, bon, vu le langage qu'il utilisait, je subodore qu'il l'était. Il me disait, oui, tu connais pas mon métier. Et non, je ne connais pas son métier. Je ne suis pas commandant de bord. Moi, le seul que je commande, c'est un camion. Voilà, je suis commandant de bord de camion, moi. Donc, bon, lui, il connaît pas le mien non plus. Conduire, je mets ce commandant de bord dans un camion, il va me regarder avec des yeux ronds comme des soucoupes, ça marche comment ce truc-là? C'est clair. Non, mais voilà, tout ça pour dire que on est là pour s'amuser, se détendre, et que dans tous les cas, on fait pas ça pour donner des leçons aux autres. On fait ça dans un côté d'amusement. Et pour ma part, ça me permet aussi de pouvoir voler tranquillement sur mon jeu, en connaissant quelques procédures, et de profiter de mon jeu et d'aller un peu partout, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà, il est 13h30, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Cette émission Pass Day sur Fly School avec Polar. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent tout à l'heure à partir de 16h30, Polar, je te dirais, en privé. Parce que là, il est 13h30, je vais prendre un peu de retard. Donc 16h30 au grand maximum pour faire du Train Simulator pour la deuxième émission de la journée. Avec France Simu et Polar. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Sinon, à bientôt. Merci d'avoir suivi mon émission. N'oubliez pas que le forum de la compagnie des geeks est réouvert, que tout a changé au niveau du look, que le site de la LCDG également est disponible pour le consulter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bon jeu. Alors là, pas bon train, mais bon vol pour ceux qui volent. Bon train, ça sera tout à l'heure. Et puis, au revoir, je le dis pas à Polar. Au revoir les... Hein, au revoir... Salut les enfants. Allez, ciao, à tout à l'heure. Ciao, ouais. Salut, ciao.